Merci d'avoir téléchargé le livre dans la bibliothèque électronique gratuite royalib.ru, http double slash royalib.ru Tous les livres de l'auteur, http double slash royalib.ru slash gemal slash Le même livre dans d'autres formats, http double slash royalib.ru slash book slash gemal ronika piati Bonne lecture, Oran Semal. Faire la paix, faire la paix, faire la paix. Chronique de la guerre des cinq jours. Un mois et demi après la fin de la guerre. Moscou. Peu à peu, j'ai même commencé à oublier exactement comment tout s'est passé ensuite. Et environ un mois et demi après la fin de la guerre, un officier des forces spéciales du bataillon tchétchène, Vostok, m'a appelé sur mon téléphone portable. Vous nous rendez visite à Odinsovo, à l'appartement du commandant du bataillon. Nous vous avons présenté pour un prix ici. Alors prenez la médaille. La médaille m'a été remise par le commandant du Vostok, Sulim Yamadaïev. Il a probablement présenté de telles médailles à tous ceux qui étaient avec lui en Géorgie. Je savais que je n'avais rien fait pour lequel j'aurais dû recevoir ce prix. Ce Sulim m'a présenté le prix de l'amitié-sympathie, qui survient souvent entre des personnes qui se retrouvent ensemble dans une grave altération. Il a probablement senti que je pensais de cette façon. Pour cacher mon embarras, j'ai plaisanté. Si vous partez pour une autre guerre, appelez. Je t'aimais bien. Je suis rentré chez moi et j'ai allumé la télé. Ils ont montré les récompenses au Kremlin. Commandant en chef, un homme au visage d'excellent élève a accroché les étoiles des héros à des colonels qui m'étaient inconnus. Le nom de Yamadaïev n'a pas été mentionné dans le rapport. Mais dans les premiers jours d'après-guerre, on parlait qu'on lui donnerait un deuxième héros. Sinon, comment Après tout, sans le Vostok, la guerre n'aurait certainement pas été une guerre de cinq jours. Ma médaille était dans une boîte en plastique. Ruban moiré rouge-bleu-jaune-blanc. Sur le disque d'or se trouvent des sommets enneigés et des chars rampant le long de la route de montagne. Au verso se trouve l'inscription Pour l'imposition de la paix. Août 2008. Formulation géniale. Cela ressemble presque à une phrase tirée d'un rapport de police Compulsion à avoir des rapports sexuels. Un certificat en carton jaune est attaché à la médaille, en haut mon nom, en bas la signature du commandant du groupe de maintien de la paix dans la zone du conflit géorgien O7, le général de division Marakul Akmetov. Bien sûr, je n'ai forcé personne à aucune sorte de paix, mais simplement cloué au Vostok, au plus fort de la guerre russo-géorgienne, et, avec eux, je suis allé de tskin à Gori. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse m'appeler combattant. Tchétchènes, oui. Ils ont participé, ils ont tiré, tué, fait prisonnier. Et je n'étais présent qu'en tant que journaliste et n'ai pas appuyé sur la gâchette, mais sur le déclencheur de l'appareil photo. De plus, les résultats de cette guerre de 5 jours ne sont pas sans ambiguïté. Le soir du 12 août, il est devenu clair que la Russie avait complètement gagné l'opération militaire, mais avait subi une défaite écrasante dans la bataille de l'information. Donc, les gars du bataillon Vostok méritaient de toute façon des récompenses, mais pour moi, c'est une grande question. Ma publication avec le titre américain antipatriotique Newsweek et le capital autorisé allemand, était, en général, contre ma présence dans la zone de conflit. Mon patron, adjoint, me contactait quotidiennement. Rédacteur en chef Stepan Kravchenko, malgré la guerre, l'itinérance géorgienne a fonctionné comme sur des roulettes. L'ultimatum de Stepan exigeait que je revienne. Ils ont appelé de Berlin, ils étaient intéressés s'il y avait des nôtres en Ossétie du Sud. Après l'explosion de notre photographe en Irak il y a un an, il s'assure que les gens de Newsweek ne travaillent pas dans les points chauds. Donc, après tout, l'Ossétie du Sud n'était pas sur la liste des points chauds. Ils l'ont apporté. Deux heures après votre départ. Revenons donc rapidement à Moscou. Tous les jours suivants, je lui ai menti sans vergogne que j'essayais de quitter Tskinvali pour Vladikavkaz, et maintenant je suis même parti, et maintenant je suis déjà à mi-chemin, mais les routes sont encombrées de matériel militaire allant vers la Réunion, c'est-à-dire que je reviens reviens, seulement le retour se fait sacrément lentement. En fait, j'ai vraiment quitté Tskhinvali, mais je ne me suis pas déplacé vers le nord en Russie, mais vers le sud en Géorgie. Et il n'était pas assis dans un manège Ziguli, mais sur l'armure d'un BMP capturé, les Tchétchènes l'ont saisi aux Géorgiens. Stiopa m'a de nouveau appelé juste après la bataille dans le village frontalier géorgien de Zemonikozhi, et une fois de plus j'ai joyeusement bavardé que les hostilités, en fait, étaient terminées depuis longtemps et que je n'avais plus rien à voir avec Vladik. Ma voix a été bloquée par la canonnade, et Stiopa a entendu ce bruit de fond. Au lieu de demander « Quels sont ces sons ?», j'ai entendu un triste. « Eh bien, vous devez toujours être prudent là-bas. » Stiopa a compris que je mentais. Le même officier qui m'a appelé plus tard au sujet de la médaille m'a alors regardé avec curiosité, un t-shirt puant que je n'avais pas enlevé depuis une semaine, mon visage était couvert de taches sales, mes coudes étaient déchirés jusqu'au sang à force de ramper comme à plastuna. Doigt, serrant convulsivement l'appareil photo. Eh bien, vous avez un travail. Et tu, au moins j'ai une automatique. Je peux riposter. Et combien gagnez-vous En fait, je suis très bien payé. 100 000 roubles par mois, moins 13% du revenu. Mais c'est un salaire, ça monte quand même, et spécifiquement pour le CETI, rien. Eh bien, si la réprimande n'est pas giflée. Je ne monterai pas ici pour un tel argent. Oui, je ne suis pas pour les grands-mères. Le Tchétchène hocha la tête avec compréhension. Il n'est pas non plus pour l'argent. J'étais prêt à parier que mon salaire était plus élevé que le sien. Pourquoi alors Il aimait les géorgiens avec qui il combattait. Il était très critique envers les ossetes qu'il défendait. Et si quelqu'un lui parlait sérieusement du devoir et du fait qu'il existe une telle profession, défendre la patrie, alors je pense qu'il l'enverrait simplement. Cet homme n'était qu'un soldat et aimait la guerre. Oui, et je me suis impliqué avec eux parce que la guerre et ça me plaisait. En général, Ma médaille s'est avérée être quelque chose comme une continuation de cette conversation, elles ont été présentées non pas pour des exploits, mais pour le fait que nous étions là ensemble et pour à peu près les mêmes raisons. Bien que, bien sûr, personne ne les dit à haute voix. Et quant au monstrueux, pour l'application de la paix, eh bien, il n'était pas au pouvoir des Vostokites de nommer décemment la médaille. Dites, pour la campagne géorgienne. À la veille de la guerre. Moscou. La guerre d'Ossétie du Sud a commencé dans la nuit du 7 au 8 août et s'est terminée dans la soirée du 12. Cependant, le fait que de la bouillie y soit brassée est clair depuis le printemps. Eh bien, dès les premiers jours d'août, tout le monde a compris, la bouillie est prête, il est temps de servir. Dès le 1er août, une série de provocations mutuelles a commencé. D'abord un côté, puis l'autre côté ont tiré sur les positions ennemies avec des armes légères. Le 6 août, mon patron Stiopa Kravchenko a demandé. Vous ne voulez pas vous envoler pour l'Ossétie du Sud Ce jour-là, le chef de l'Ossétie du Sud, Edouard Kakwati, s'est indigné du fait que les forces spéciales géorgiennes avaient creusé à la soi-disant Zero Height. Cette hauteur dépassait juste au-dessus des villages Ossétés, selon les accords précédents, il ne devait pas y avoir de poste. Kakwati a ordonné à la police locale de repousser les Géorgiens de la hauteur, et Stiopa est allé me demander si je voulais prendre l'avion pour l'Ossétie. La journée suivante a été consacrée à des escarmouches entre la police anti-émeute Osset et l'armée géorgienne près du village de Nuli. Il y avait des premiers rapports de véhicules blindés détruits. Les dirigeants de l'Ossétie du Sud ont joyeusement rendu compte du déplacement des forces spéciales géorgiennes. Tbilisi a Le chef du département analytique du ministère de l'Intérieur de Géorgie, Shota Utiashvili, a répondu aux déclarations de Tskinvali. C'est un village géorgien et, bien sûr, il y a des policiers géorgiens qui ne partiront nulle part. Au matin du 7 août, Stiopa était déjà pressé. « Faites-vous accréditer. Réservez des billets. » Mais le soir de ce jour-là, Mikkei Sakasvili a déclaré qu'il n'était pas favorable à des solutions énergiques au problème sudoset Il donne l'ordre de cesser unilatéralement le feu et d'entamer des négociations. À Tskin Valley, cette déclaration a été commentée sans ambiguïté, Michiko a cédé le relais. En effet, après tous les coups de sabre précédents, cela ressemblait presque à une capitulation. Des représentants des Casques Bleus géorgiens, dirigés par l'envoyé spécial de Sakasvili pour la résolution des conflits, Temuraz Yakoboshvili, se sont en fait présentés au siège du groupe mixte de maintien de la paix et ont entamé des négociations avec le commandant du groupe, le général Mara Kulakmetov. Les négociateurs se sont dispersés à la tombée de la nuit, acceptant de poursuivre leur pacification verbale demain à 13h. Certes, l'assistant de Kulakmetov, le capitaine Vladimir Ivanov, a attiré l'attention sur le fait que les casques bleus géorgiens avaient soudainement disparu de leur poste. Des observateurs de l'OSCE ont également disparu. Mais même ce symptôme n'a pas alarmé l'armée russe. Il semblait que tout fonctionnerait à nouveau. Ça n'a pas marché. À 23h, l'armée géorgienne passe à l'offensive. L'assaut sur Tskinvali a commencé. Stiopa m'a appelé chez moi tard dans la nuit. Ça a commencé là. Envolez-vous demain, premier jour de la guerre. Vladikavkaz. Pénétrer dans Tskinval le 8 était assez difficile. J'ai envoyé la veille une demande d'accréditation auprès des casques bleus à l'état-major des forces terrestres. Il n'y avait pas encore de guerre, il y avait une tension croissante. Le service de presse m'a assuré que demain le télégramme serait relu à et, en toute conscience, j'ai appelé l'assistant de Kulakmetov pour les relations avec la presse, Vladimir Ivanov. Il a dit que je viendrais un de ces jours et a entendu en réponse un « on attend », encourageant. Je suis arrivé à Vladikavkaz à midi le lendemain. La guerre battait déjà son plein. Le téléphone portable Megafon Divanov était hors de couverture du réseau. Le téléphone portable du chef du service d'information du gouvernement d'Ossétie du Sud, Irina Gogloïva, était également indisponible. Un appel à Moscou au service de presse du quartier général des forces terrestres a donné un résultat décevant. Votre accréditation a été signée, mais nous n'avons pas la possibilité d'en informer de Valley. Il n'y a pas de communication et, en général, nous ne savons plus où se trouvent Ivanov, Kulakmetov et d'autres agents de maintien de la paix. On ne sait même pas s'ils sont vivants. Pour les informations nécessaires, je me suis rendu au quartier général de la 58e armée. Au poste de contrôle, j'ai demandé à être mis en relation avec l'officier de service. Le lieutenant-colonel, à qui j'ai été emmené, a écouté avec sympathie l'histoire de mes problèmes, a dit qu'il ne savait rien non plus, qu'il n'y avait aucun moyen d'aider à se rendre en Ossétie du Sud, a conseillé un hôtel bon marché mais décent où je pourrais rester et attendre les développements et lui serra vigoureusement la main en se séparant. Je suis retourné au poste de contrôle, mais à l'entrée même, j'ai été rattrapé par un officier maigre de la taille d'un basket avec des épaulettes de capitaine et le visage d'une jument souriante. Puis-je vous avoir une minute Viens avec moi. Et qui êtes-vous Oui, je suis un officier politique ici a expliqué le capitaine souriant d'une manière quelque peu non militaire. Je comprends, les difficultés commencent. Il me ramena auprès de l'officier de service, à côté duquel se trouvait cette fois un autre lieutenant-colonel. Son visage était inexplicablement à la fois violet et pâle. Le menton, comme prévu, est en pierre. Il était inutile de demander qui il était. Ce type d'expression faciale ne se trouve que chez les officiers spéciaux. Une fois de plus, mais sans aucune sympathie, il a écouté mon histoire sur l'accréditation, dont il ne pouvait pas être signalé de Moscou à Tskinvali, une demande d'aide pour se rendre à Ivanov et Kulakmetov, ou au moins donner des conseils sur où les chercher, l'a tordu dans l'épaisse à droite carte d'identité du chroniqueur russe de Newsweek sur ses doigts, et a grondé de satisfaction. Et quoi Un magazine américain Tu veux dire Et sans attendre de réponse. Alors, vous êtes un Américain avec nous Tarak Tout cela n'augurait rien de bon pour moi. Réalisant que l'amusement folklorique russe, mort aux espions, était sur le point de commencer, j'ai bavardé impudiquement sur la licence de notre magazine, enregistrée auprès du ministère russe de la Presse, sur le fait que Boldirev, commandant en chef des forces terrestres, personnellement signait mon accréditation et proposait d'appeler immédiatement le siège de Moscou sur mon téléphone portable. La personne est descendue. Appel Me prenant le téléphone des mains, il a mis longtemps à chercher qui lui parlait, puis a mis au courant l'interlocuteur moscovite. Ici un Zemal d'un magazine américain essaie de découvrir l'emplacement et le mouvement de nos unités. Cela signifie, comme la demande est traduite dans la langue de l'armée, aider à trouver Kulakmetov. J'ai toujours su qu'un vrai militaire regarde le monde avec des yeux différents de ceux d'un Shpak civil, mais je ne pouvais même pas imaginer cela à ce point. Il était clair que j'allais passer la semaine prochaine, au mieux, quelque part dans le poste de garde de la garnison. Cependant, un bienfaiteur que je ne connaissais pas à Moscou a refroidi la manie d'espionnage de l'officier spécial. Appuyant sur la fin de l'appel et rendant mon téléphone portable, le lieutenant-colonel a changé sa colère en pitié. Alors ils m'ont dit, vous êtes accrédité auprès des casques bleus, et non de la 58e armée. Eh bien, de quoi je parle Et pourquoi es-tu venu ici Peut-être que vous pouvez m'aider à rejoindre les casques bleus Nous n'avons pas d'instruction pour vous aider, a conclu l'officier spécial, sortez d'ici. Le capitaine au visage de cheval m'a escorté jusqu'au poste de contrôle et m'a souhaité bonne chance et bonne chance. Pendant tout le temps qu'on a parlé, il n'arrêtait pas de sourire comme un imbécile. J'ai fait semblant d'être très contrarié et même un peu offensé qu'il ne veuille pas m'aider. Même si en fait c'était clair, j'ai sauté à ses cordes de l'eau. De telles conversations en temps de guerre peuvent très mal se terminer, et les officiers spéciaux me laissent simplement partir. Je me suis retourné et je suis parti. Il est devenu clair que je devais me rendre à Tskin Valley par mes propres moyens. Première nuit de la guerre. Tskin Valley les deux parties ont fait appel à la communauté mondiale avec style, et il a été le premier à commencer. Dès le premier jour, le dirigeant géorgien Mikheil Sakhasvili a déclaré: La Russie nous fait la guerre sur notre propre territoire. Nous sommes engagés dans l'autodéfense contre un voisin grand et puissant. Nous sommes une nation attaquée. La guerre était déjà en cours à ce moment-là, mais il n'y avait pas encore d'attaque. À ce stade, les unités de combat russes ne sont même pas entrées en Ossétie du Sud. Les soldats géorgiens traitaient pour la plupart avec la milice sud-ossète, des résidents de leur propre pays. Du point de vue du premier ministre russe Vladimir Poutine, tout était exactement le contraire. Tbilissi mène des actions très agressives contre l'Ossétie du Sud et cela, bien sûr, entraînera des actions de représailles. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Poutine ne voulait pas laisser le sort des citoyens russes sans attention. Au milieu des années 1990, les résidents d'Ossétie du Sud recevaient des passeports russes. Et maintenant la Russie allait les protéger. En Géorgie, les collègues journalistes de l'époque étaient convaincus qu'il n'y avait plus depuis longtemps de population civile à Tskhinvali, mais seulement des milices armées, qu'ils appelait « membres de gang ». En partie, ça l'était. Le premier jour, toute la population masculine, capable de tenir des armes à la main, s'est enfuie ou s'est armée. Les plus résolus se sont regroupés en groupes de 10 à 20 personnes et ont pris position aux abords de Tskhinvali. Ceux qui ne pouvaient pas tenir d'armes ont aidé au mieux de leur capacité. Des tables avec de la viande bouillie, du pain, du vin fait maison, du fromage, des cornichons, des compotes ont été placées directement dans les entrées. Tout cela a été progressivement mangé en prévision du moment où il serait possible de détruire non pas la viande et le vin, mais les soldats géorgiens. Les soldats n'ont pas bougé. Au lieu de cela, des bombes aériennes, des obus d'obusier et de la grêle pleuvaient sur les défenseurs. L'esprit combatif s'est lentement estompé. Les moins décisifs ont pris position non pas à la périphérie de la ville, mais dans les cours de leur propre maison. Rassemblés par groupes de trois ou quatre, ils bravosèrent leurs volets, donnèrent des cartouches mémoire aux journalistes qui regardèrent la lumière, attendirent l'ennemi, et pour l'instant, s'occupèrent du même vin, de la viande et des marinades. Pendant ce temps, dans les sous-sols des maisons transformées en abris anti-bombes de fortune, il y avait à cette époque environ 15 000 femmes, vieillards et enfants. Le fier nom des abris anti-bombes de ces sous-sols était totalement immérité. Fondamentalement, ce n'étaient que des gardes-mangés sans sol en béton. Ils se sont bien protégés des fragments des « grades » qui ont travaillé sans arrêt autour de la ville, mais n'ont pas pu résister au coup d'un obus d'obusier et, de plus, à une bombe aérienne. Un coup direct, et le sous-sol devient une grande fosse commune. Les principales victimes parmi la population civile de Tskhinvali sont apparues la première nuit lors des bombardements et bombardements de Tskhinvali. Dans chacun de ces sous-sols gardes-mangés, des personnes effrayées se sont assises jusqu'à la mort, des enfants ont sangloté, toute personne nouvellement apparue s'est vue poser la même question. Les Russes vont-ils aider Le premier soir, personne ne connaissait la réponse. L'aide russe d'une manière incompréhensible était liée au nombre de pertes. Un jour plus tard, beaucoup ont raconté le dialogue d'un certain Osset sans nom, se précipitant de Vladikavkaz à Tskinvali avec le même pétrolier sans nom de la 58e armée. Pourquoi restes-tu sur la route Qu'est-ce que tu attends Maintenant, vous êtes nécessaire là-bas. Commande, en avant, non. Les autorités ont besoin d'une raison pour envahir. Bien qu'il y ait peu de victimes, il semble n'y avoir aucune raison d'intervenir. Edouard Kokwati, le tout premier jour de la guerre, a annoncé un millier de morts. Le deuxième jour, il parlait d'environ 2000. On ne sait pas comment le président, qui a immédiatement fui Skin Valley pour Java et n'avait aucun contact normal avec la capitale assiégée, a pu connaître le nombre de victimes. Dans les deux premiers jours, et dans la ville même, personne n'a compris l'ampleur des pertes, ni parmi les miliciens, ni parmi les civils. Les chiffres de Kakwa étaient, bien sûr, de la propagande, mais des gens sont en fait morts sous les bombardements géorgiens. Peut-être qu'il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Au matin du 8 août, Tskinval ressemblait à Stalingrad, comme on le voyait autrefois sur les images des actualités de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'aube, les chars géorgiens ont avancé. Premier jour de la guerre. Skin valley Dans la nuit du 7 au 8 août, l'armée géorgienne est amenée en Ossétie du Sud presque au complet. L'opération n'impliquait 4 brigades d'infanterie, une brigade d'artillerie, qui était armée de 44 obusiers automoteurs, y compris de lourds, pivoines, de 203 mm. Dana, tchèque très mobile de 152 mm et puissant acacia soviétique du même calibre. 42 lance-roquettes multiples, principalement BM21 Grappes. Plusieurs bataillons de chars avec 200 chars T-72 modernisés. Un certain nombre d'unités des forces spéciales se sont entraînées en Irak pour combattre les partisans. Depuis les airs, ils étaient soutenus par 10 avions d'attaque et Sub-25, qui ont été modernisés par des spécialistes israéliens. Dans la terminologie militaire géorgienne, ces avions améliorés s'appelaient Mimino. En plus d'eux, l'aviation géorgienne disposait de plusieurs hélicoptères de combat. Ils ont été opposés par une force beaucoup plus petite, qui, de plus, était mal organisée. Il y avait des unités de casque bleu autour de Tskinvali, mais la seule unité prête au combat dont ils disposaient était une compagnie de forces spéciales tchétchènes détachée au printemps du bataillon Vostok, qui occupait des positions sur le mont Spider. Il y avait aussi plusieurs centaines de milices Osset et la milice de Tskinvali dans la ville. Ils disposaient d'environ 80 chars t 72 obsolètes et d'une centaine d'unités d'artillerie, dont des mortiers et des lance-roquettes multiples grappes. Théoriquement, il était possible d'essayer d'organiser une défense même avec de telles forces. Mais les milices sud ocètes ne savaient tout simplement pas comment utiliser tout cela. Commandement et contrôle centralisé des troupes, communication multicanaux, réserve d'artillerie et anti anti-char, ils n'avaient tout simplement rien de tout cela. Les ossetes n'avaient aucun outil pour le combat inter-armes. Pour la plupart, l'équipement militaire n'était pas à Tskhinvali, mais à l'arrière de Java. Il a été réparti entre les unités de la milice, mais l'équipement est resté sans piloter, en règle générale, hors d'usage. De laser, ils étaient initialement soutenus par l'aviation russe. Dans la région d'Oak Grove, périphérie de Tskin Valley, elle a même réussi à bombarder une colonne de chars géorgiens. Cependant, après que la défense aérienne géorgienne a abattu deux avions d'attaque russe sub-25, les défenseurs de Tskinval se sont retrouvés sans soutien aérien. Le commandement russe était prudent et ne voulait pas perdre d'avion. Et les principales unités de la 58e armée russe étaient à ce moment complètement en dehors du théâtre des opérations. Ils se tenaient derrière le tunnel de Rocky, la route principale reliant l'Ossétie du Sud à la Russie. Toute la nuit, l'armée géorgienne se préparait à entrer dans Tskhinvali. L'assaut a été planifié selon toutes les règles de la science militaire. Au cours des cinq dernières années, il a été maîtrisé avec l'aide de conseillers américains et israéliens. Jusqu'au matin, la ville était sous un barrage de feu incessant. Il y avait une préparation de l'aviation et de l'artillerie pour une percée de chars. Sur les hauteurs entourant Skin Valley et dans la capitale de l'Ossétie du Sud même, les positions de tir 7, réelles et potentiellement possibles, ont été supprimées. Le 8 août à midi, le président géorgien Nikkei Sakasvili a fait une déclaration. La majeure partie du territoire de l'Ossétie du Sud a été libérée et est sous le contrôle des forces de sécurité géorgiennes. Les combats se déroulent déjà dans le centre de Tskinvali. C'était vrai. Les chars géorgiens venant du Sud sont passés dans la rue Geroef, supprimant de rares poches de résistance en cours de route. À la gare, ils se sont tournés vers le quartier général du maintien de la paix. Il n'y avait personne pour coordonner la défense de Tskinval. Où est le leader de l'Ossétie du Sud, Édouard Kokwati, personne ne le savait. Il était impossible de trouver le chef du ministère de la Défense de l'Ossétie du Sud, Vasily Lunev. Plus tard, on m'a dit que vers midi, Kokwati avait appelé de Tzava à Moscou et avait dit qu'à la tombée de la nuit, il devrait admettre que Tskinvali était passé aux mains des Géorgiens. Le seul responsable qui était présent à Tskinval et a essayé de diriger la défense était le chef du Conseil de sécurité d'Ossétie du Sud, un colonel russe à la retraite Anatoli Barankovitch. Absolument impuissant n'ayant aucun lien ni avec Moscou ni avec les milices qui tenaient la défense à la périphérie. Il a même contacté le quartier général des forces terrestres à Moscou par l'intermédiaire de journalistes. Le commandant militaire de la chaîne de télévision TV Center, Yevgeny Podubny, à sa demande, a transmis au général d'armée Vladimir Boldirev un message indiquant que les possibilités de défendre la ville avaient été épuisées. Après cela, le secrétaire du Conseil de sécurité a pris un lance-grenade et est allé à la rencontre des chars. À ce moment-là, il s'approchait directement du point de contrôle du quartier général du maintien de la paix. Vingt minutes plus tard, le colonel assomme le premier char géorgien. Cela s'est passé à une centaine de mètres du poste de contrôle. Le deuxième char géorgien a brûlé ici en dix minutes supplémentaires. Son équipage a tenté de traîner la première voiture accidentée, mais les munitions ont soudainement explosé. Un jour plus tard, des images de carcasses de chars brûlés. De tourelles tordues et de tankistes carbonisés ont fait le tour de toutes les chaînes de télévision russes. On ne sait pas comment tout se serait passé si Barankovitch n'avait pas brûlé ce char. Les géorgiens se sont battus selon les documents de traçage tactiques occidentaux. D'abord, préparation d'artillerie, suppression de l'ennemi, puis, sous le couvert de chars, marche d'infanterie. Si une résistance est rencontrée, l'infanterie avec des chars recule et recommence. Ce modèle est conçu pour minimiser les pertes. Et cela ne prévoit pas de bataille sérieuse dans des conditions urbaines. Si les Géorgiens avaient lancé des groupes d'assaut Spetsnaz devant les chars, ils auraient fait beaucoup plus de victimes. Mais ils auraient pris la ville le premier jour. Cependant, pour Tbilissi, il s'agissait d'une pratique vicieuse de coups de chapeau russe. L'armée d'un pays civilisé, qui s'apprête à rejoindre l'OTAN, ne pourrait pas se battre ainsi. Il n'y avait pas de détachement d'assaut qui nettoyait la ville devant les chars qui arrivaient. Cela signifiait qu'il n'y avait personne pour couper le Barankovich solitaire avec un vieux RPG dans les mains avec une longue ligne. Avec un tir réussi, le chef du conseil de sécurité a forcé l'ennemi à se retirer dans la périphérie de Tskin Valley. Cela lui a fait gagner plusieurs heures. Et ces quelques heures ont renversé le cours de la guerre. Deuxième mi-temps de la même journée. Vladikavkaz. Avant la guerre, il était possible de se rendre en Ossétie du Sud depuis Vladikavkaz en taxi. À la gare routière, il y avait toujours des voitures ziguli cassées faisant la navette le long de la route Vladikavkaz, Java, Skin Valley et retour. 500 roubles du nez, ou 2000 si vous voulez y aller seul. Cela vient des locaux, les étrangers ont toujours été promus pour plus. Cependant, pour les journalistes des points chauds, voyager aux tarifs locaux est une question d'honneur. Quelque chose comme la confirmation à soi-même et à ses collègues du statut de local, des siens. L'un à l'autre, leur « non sans plaisir » a raconté l'histoire du « suceur de la consomolskaya pravda » qui a été emmené à Tskhinvali pour pas moins de 7000. Lorsque vous commencez à raconter cette histoire, vous devez en même temps prendre l'air du je-sais-tout le plus aguerri. Cette fois, j'étais prêt à donner 10 000. Mais les chauffeurs de taxi ont catégoriquement refusé d'y aller. Vous feriez mieux de cacher l'argent dans votre poche plus profondément, nous n'irons pas nous-mêmes et nous ne vous conseillons pas. Il y a une guerre, il y a des tirs. Comprenez-vous dans votre Moscou ce que c'est Ou tu ne comprends pas Je me suis assis sur un banc devant la gare routière, j'ai mis un bloc-notes sur mes genoux et j'ai commencé à appeler méthodiquement mes collègues. J'ai essayé de comprendre quoi faire dans une situation où personne ne va là-bas, et vous devez y aller avec du sang de votre nez. Finalement, Anna Bokshitskaya, ma patronne dans un ancien emploi, a donné le numéro de téléphone à la journaliste locale Irina Tabulova. Et elle, à son tour, a donné de bons conseils. Rendez-vous à Alagir. Les bénévoles s'y rassemblent. Trouvez-les et essayez avec eux. Alagir est une petite ville à 30 km de Vladikavkaz. Les chauffeurs de taxi ont accepté de l'emmener chez lui, mais au tarif de guerre. Ils m'ont arnaqué presque comme une ventouse de la Konsomolskaya Pravda. Le thème du volontariat est apparu avant même le début de la guerre, à une époque où seuls les gardiens de la paix, géorgiens et les policiers Osset menaient encore des batailles locales pour les hauteurs de Nilskaya. Les agences de presse ont reproduit des reportages patriotiques sur de nombreux Cosaques, que leurs atamants militaires ont immédiatement envoyés, option, ils vont envoyer, pour aider le peuple aux sept frères. En plus des messages cosaques, il y avait aussi des informations sur les volontaires des républiques voisines du Caucase du Nord. En pratique, il s'est avéré que seuls les jeunes d'Ossétie du Nord se sont rassemblés à un point de rassemblement de volontaires à 5 km d'Alagir. Assoiffés d'une bouffée de poudre à canon, les jeunes gars se sont séparés en détachements, se sont assis sur la gazelle et ont avancé jusqu'au tunnel de Rocky. Il a été question que derrière le tunnel de Dzava, ils distribueraient des mitrailleuses et définiraient des tâches spécifiques. Oui, j'irai contre les Géorgiens sans aucune arme. J'irai avec un couteau, a crié joyeusement un jeune Osset depuis un minibus passant par là. Preuve du sérieux de ses intentions, il brandit un gros couperet comme un sabre. Un autre gars a raconté avec humour l'histoire de sa propre campagne à la guerre. Je suis ici directement du travail. En fait, nous vendons des cartes SIM pour téléphone mobile. Eh bien, nous nous sommes assis au bureau, à 5 heures du soir, la journée de travail s'est terminée et mon ami et moi, sans rentrer à la maison, sommes allés directement ici. Les voisins du Caucase du Nord étaient représentés par un seul volontaire, le Tchétchène Alican. Je viens de Grozny, m'a-t-il dit, mon père est un militaire russe, et avant il était un militaire soviétique. À une certaine époque, nous vivions à Vladikavkaz. Mon père a été transféré ici au tout début des années 90. Nous l'avons compris alors, lors du conflit Osset-Ingouche, nous sommes aussi des Vénacs. Mais je suis quand même allé aider les Ossètes contre les Géorgiens. J'ai même reporté le mariage, je devais l'avoir demain. Maintenant, je ne sais même pas quand je vais me marier. Après la guerre, probablement. Je n'ai pas réussi à rencontrer les Cosaques, ni à Alagir, ni, plus tard, à Tskinvali. Les représentants des républiques voisines, à l'exception d'Alican, n'ont pas non plus vu parmi les volontaires. Les voisins ne font pas mal du tout, ils aiment les ossettes. Ils disent que les autorités ont exploité au maximum la ressource administrative, essayant de faire monter la population d'un seul élan pour aider le peuple frère. En gouchis voisine, ils ont appelé tous les flics sans exception, proposant de rédiger des demandes avec une demande de être détachés dans la zone de conflit. En conséquence, au lieu d'une déclaration, une cinquantaine d'officiers ont déposé des rapports de démission sur la table des autorités, pour eux les ossetes n'étaient pas un peuple frère, mais des pogromistes qui ont chassé les ingouches d'Ossétie en 1992. En général, l'atmosphère d'un festival de sport militaire régnait près d'Alagir. Comme si devant n'était pas une guerre, mais un éclair. Comme si des bus de réfugiés ne venaient pas de l'autre côté, comme si le premier sang n'avait pas été versé. De temps en temps, les gars se sont propagés sont devenus délibérément sombres et ont commencé à maudire les envahisseurs géorgiens, se transmettant à plusieurs reprises des commérages répétés sur les atrocités et les milices ossetes qui ont été capturées près du village de Ketagurovo, que le géorgien arrivé le ministre de la défense leur a personnellement coupé la tête. Dans le même temps, la nationalité du ministre était nécessairement soulignée. Savez-vous qu'il est juif Oui, oui. Parce qu'ils ont des armes et des conseillers israéliens. Puis ils ont de nouveau oublié que tout était réel et se sont à nouveau réjouis du plaisir militaire qui approchait. Cependant, les volontaires ne sont pas arrivés en Ossétie du Sud immédiatement. Ils n'étaient pas autorisés à traverser le tunnel de Rocky, ils ont été déposés, réécrits, mélangés entre les détachements, mais ils ont continué à venir et à venir. Ces gars-là n'ont pu entrer dans une vraie guerre que deux jours plus tard, alors que les troupes russes étaient déjà entrées à Tskin valley ce n'est qu'après cela que le gros des volontaires a été autorisé à entrer sur le territoire de l'Ossétie du Sud. Quelqu'un au sommet a d'abord pris une décision censée détenir les garçons qui n'avaient pas été abattus, ne pas les jeter dans le hachoir à viande d'Otskin Valley. Et puis, apparemment, dans le même cas, ils ont décidé que c'était déjà devenu relativement sûr, et maintenant c'était possible. Ce que les volontaires feraient en Ossétie du Sud, alors que les troupes géorgiennes étaient déjà revenues à Gori, apparemment ils l'ont fait, pense pas au sommet. Et ils entrèrent, Dévoré par une soif enfantine de gloire militaire, mais il n'y eut plus de guerre. Ils n'ont pas été accueillis par des chars géorgiens, mais par des villages géorgiens déserts, d'où les habitants sont partis. Et ils ont brûlé ces villages, faute de chars. Mais il y avait deux très longues journées avant cela. Ma tentative pour entrer en contact avec les volontaires a échoué. Comme il s'est avéré plus tard, c'était même bon. Si j'allais avec eux, je serais coincé au tunnel. Cependant, un nocède d'âge moyen, Bienveillant et très poli en tenue de camouflage avec des bretelles de colonel, qui copiait et distribuait des volontaires, m'a déposé de la gazelle volontaire. Pendant un certain temps, il m'a trompé, puis il a honnêtement admis ils ont pour ordre de couper les journalistes. Retour à Vladikavkaz, au siège de la coordination Rugadiev. Je serai de retour moi-même dans quelques heures et je vous dirai toutes les nouvelles. N'essayez même pas d'entrer en Ossétie du Sud vous serez toujours retenu au poste frontière à l'entrée du tunnel. En effet, il était possible de traverser le tunnel soit par des résidents locaux immatriculés en Ossétie du Sud, soit par des voitures de services spéciaux qui étaient laissées passer sans même vérifier les documents des passagers. Un hochement de tête affirmatif suffit en guise de réponse. Vous n'avez rien à montrer. J'ai eu de la chance. Après m'être séparé du gentil colonel et avoir décidé de continuer à faire de l'autostop, j'ai presque immédiatement arrêté un véhicule aussi spécial. 8 heures après la guerre. Point de contrôle de Niznizaramak. Sur le chemin du retour, la facilité avec laquelle j'ai passé le poste frontière s'est transformée en ennui. Un jeune et impudent Osset du FSB, après avoir entré mon numéro de passeport dans un ordinateur, a haussé ses sourcils fins avec une maison. Et nous n'avons pas de notes sur votre entrée. Comment êtes-vous même arrivé sur le territoire de l'Ossétie du Sud Oui, tu l'as raté. Sans aucune vérification. Pourquoi vous ont-ils laissé passer tout d'un coup Peut-être parce que j'étais dans une voiture FSB Très probable. Nous avions pour consigne de laisser passer les véhicules spéciaux sans formalités administratives. Eh bien, qu'est-ce que tu pinailles maintenant Voyons votre passeport. Soudain, il y a un visage géorgien Le jeu déjà familier de ⁇ La mort aux espions ⁇ a commencé. J'avais vraiment un visage géorgien. Certes, il y a un mois, le précédent voyage d'affaires était à Tbilissi. Mais dans une telle situation, presque personne ne comprendrait les détails. Heureusement pour moi, le talent principal de cet officier du FSB était la capacité de lever les sourcils, dépeignant théâtralement la perplexité méprisante. De plus, le mec n'était capable de rien. Il a fouillé et inspecté mon sac à dos en détail, a plissé le nez lorsque le linge sale a été sorti à la lumière du jour, a feuilleté tous les cahiers d'un air significatif, mais n'a pas trouvé le passeport international, qui était dans la poche sous le volet. Pendant les cinq jours de guerre, je me suis habitué à autre chose. Pendant ces cinq jours, Personne ne m'a jamais demandé de documents. En cinq jours, je n'ai jamais eu besoin d'argent. Je suis habitué au fait que vous pouvez arrêter les hélicoptères, aller simplement sur n'importe quelle plaque tournante avec des pales de travail. Où allez-vous Ne pas jeter, je suis habitué à la guerre, on s'habitue vite aux bonnes choses. Et ici, j'ai été accueilli par une vie paisible ordinaire. Avec tous ces charmes, le régime des passeports et la toute-puissance des flics. Le monde m'a aspergé comme une baignoire d'eau pourrie. J'ai enfin compris l'intrigue classique dans mes tripes, un soldat de première ligne serrant les dents. Oh, espèce de rat arrière! Le commandant militaire de Novaya Gazeta, Arkady Babchenko, qui a été témoin de la scène au point de contrôle, a souri en voyant mon visage tordu de colère. J'ai traversé la première guerre de Tchétchénie en tant que simple soldat. Nous partons pour la Russie, je vois un flic et je crie Frère, comment se rendre au bureau de tabac le plus proche? Et il m'a dit, les frères sont restés et l'accent grave. Et me voici à vous, camarade sergent-chef. Entendu, le garde-frontière m'a longuement et fastidieusement demandé le nom de la personne avec qui j'ai voyagé en Ossétie du Sud. Ou du moins le numéro de sa voiture. Je craignais que mon compagnon de voyage n'ait des ennuis et refusait de le nommer. Au final, les chuckistes se sont lassés de tout cela. Ils m'ont dit de sortir. Après avoir perdu plusieurs heures et plusieurs millions de cellules nerveuses, j'ai eu l'opportunité d'aller plus loin. Cependant, la capacité d'aller est une exagération claire. Il était 3 heures du matin. Le trajet sur lequel je suis arrivé ici, bien sûr, s'est précipité à Vladikavkaz il y a longtemps. Et qui attendrait que l'officier arrogant du FSB me fasse tous ses tours Et il n'y avait pas d'autres voitures. J'ai parcouru plusieurs kilomètres le long d'une route de montagne et je suis tombé sur un poste de police de la circulation stationnaire. Là, j'ai passé le reste de la nuit à montrer aux flics sur mon portable les photos de guerre. Ils m'ont nourri et le matin m'ont aidé à prendre une voiture pour Vladikavkaz. Dans ma profonde enfance, des amis de la cour m'ont appris toutes sortes de choses utiles plus tard dans la vie, fumer, jurer et traiter les policiers d'immondices. À cet âge-là, on ne parlait pas du tout du KGB. En quittant les agents de la circulation, je me suis fermement dit Je vais certainement expliquer à mon fils que les chuckistes sont 100 fois pires que des ordures. Deuxième nuit de guerre. Route de contournement de Zar. Et l'homme qui m'a amené à la guerre de manière si célèbre et sans aucun contrôle s'appelait Inal Bibilov. Il est médecin de profession. Né à Tskinvali, mais vit et travaille à Vladikavkaz depuis longtemps. Il s'est rendu dans sa petite patrie dans une voiture de service spéciale avec un laissez passer véhicule tout-terrain qu'il a tiré de son frère garde-frontière. Au début, il se méfiait de moi, qu'il avait demandé en tant que compagnon de route. Quel est le nom de votre magazine Comment comment Newsweek Et quel genre de nom est-ce Êtes-vous un Américain Cela a été suivi par mes explications déjà familières sur l'enregistrement auprès du ministère de la Presse et l'accréditation, signée par le général Boldireff. Il a admis plus tard qu'au début, il ne m'aimait pas surtout ma barbe ou habite Il allait même me remettre aux gardes frontières au poste près du tunnel. Mais au moment où nous sommes arrivés au poste de contrôle, je l'ai reconnu comme étant le mien. En chemin, Inal dit. Je ne tirerai sur personne. Je ne peux probablement pas tuer qui que ce soit. Mais en tant que médecin, on a probablement besoin de moi là-bas. De plus, cependant, il s'est avéré qu'il était pharmacologue. Je conseille aux médecins traitant les médicaments qu'il est préférable d'utiliser. Mais, dans ce cas, je peux être assistant pendant les opérations. Bien plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un diplôme de médecine qui l'avait conduit à la guerre. Une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés à Vladikavkaz alors que je rentrais à Moscou. Vous savez, dit Inal, mon père a vécu toute sa vie à Tskinvali. Nous sommes trois frères, tous partis dans des endroits différents. Si je n'y étais pas allé, les gens auraient dit que quand c'était difficile, aucun des Bibilov n'était là. Inal, non belliqueux, possédait une sorte de courage aventureux irrationnel. Il est monté en enfer, semblait-il à première vue, sans aucun but. Mais au final, ce médecin d'âge moyen avec une spécialisation complètement hors ligne, qui s'appuyait sur la guerre, pour rien, effectua plusieurs vols entre Tskin Valley et Java, sortant blessés et réfugiés quand d'autres ne risquaient plus d'essayer pour se faufiler sous les bombardements géorgiens dans une voiture du FSB empruntée à son frère. Moral, il n'y a pas de gens au hasard dans une guerre. Ceux qui, comme Inal le premier jour, ont néanmoins réussi à passer le tunnel, ont dû décider s'ils devaient passer la nuit à Java en toute sécurité ou prendre le risque et se rendre à Tskinvali le long de la route de contournement de Zar, qui a été lourdement abattue par l'artillerie et les tireurs d'élite géorgiens. Inal est resté à Java avec des proches pendant deux heures, a écouté attentivement tous leurs conseils, ils lui ont conseillé d'aller se coucher et de ne pas monter dans la chaleur, a bu deux grands verres de vin fait maison pour se donner du courage et est allé à la voiture. En démarrant, il marmonna furieusement dans sa barbe. Regardez autour de vous, toute Skin Valley s'est réunie ici. Qui reste-t-il pour défendre la ville Le contournement de Zar n'est pas une autoroute unique, mais un système de routes de campagne rocheuse reliant les villages Osset. Sur le chemin, Inal a demandé aux habitants où il était plus sûr d'aller, où les obus ont atteint et où ils ne l'ont pas fait, et, agrippant le volant des deux mains dans une poigne mortelle, a conduit avec les phares éteints plus loin le long de la serpentine de terre. Illuminé uniquement par la lune, en pressant une centaine, attrapant des rochers avec un ventre ziguli, fumant une cigarette après l'autre. Ma tâche consistait uniquement à les allumer pour lui et à me dire si les Géorgiens ne tirent pas maintenant, alors, probablement, au prochain tour, nous serons banalement brisés. Son œuf battu était, semble-t-il, la seule voiture qui a percé effrontément cette nuit-là vers le Tskinvali en flamme accompagnée de fusils. Cantinal est apparu dans le sous-sol d'un immeuble de cinq étages de la rue Tabolova, où il est né et a grandi. Les voisins ne pouvaient pas croire que cela était même possible. Pendant la première guerre avec les Géorgiens à Gansakurdia, je me suis aussi distingué, a-t-il dit, rayonnant comme un soupoli et s'émerveillant de son propre désespoir avec le recul. Je travaillais alors à Tbilissi, et soudain des criminels géorgiens ont été libérés de toutes les prisons, armés et envoyés à l'assaut d'Otskinvali. Ils étaient considérés comme des bénévoles, et puis je suis monté dans le bus avec eux. Comme un bénévole aussi. Alors avec eux, je suis arrivé à Tskinvali. Et personne n'a compris que j'étais Osset, car je parle très bien le géorgien. Inal éclata de rire, se remémorant les aventures d'il y a 16 ans, comme une farce enfantine. Ici, j'ai lentement pris du retard sur osé, je suis venu chez moi. À l'époque, personne ne pouvait croire que j'avais réussi. Que ma première nuit à Tskinvali, j'ai dû dormir dans une voiture garée dans la cour de la maison. Il n'y avait plus de place dans le sous-sol, et un obus de char a frappé l'appartement d'Inal, qui a brûlé à quelques reprises nous nous sommes réveillés au son de petits fragments de grêle tombant à la fin de l'incendie sur le toit du fs beziguli mais nous étions tous les deux si fatigués et nerveux que nous ne nous en soucions pas deuxième jour de la guerre Tskin Valley en plus d'inal qui a fait irruption à Tskin Valley pour soigner et sauver cette nuit-là ceux dont la tâche était de tuer se sont également rendus ici ce sont les forces spéciales tchétchènes du bataillon vostok qui dans la nuit du 8 au 9 août, ont transféré leurs forces principales dans les environs de Tskin Valley. Ils passaient en secret sans route le long du fond de la vallée, à travers des champs rincultes. Ils ont laissé une chaîne de villages Osset à leur droite et Géorgiens à leur gauche. Toute la journée du lendemain, le bataillon livre de durs combats dans les environs de la ville. Les Tchétchènes ont tenté de débloquer les approches afin que les principales unités de la 58e armée puissent enfin entrer dans la capitale sud-Osset. Pendant tout ce temps, des rumeurs circulaient dans la ville selon lesquelles les Tchétchènes subissaient d'énormes pertes. Bien qu'en fait, pour les cinq jours de guerre, il n'ait eu que trois blessés. Pour aider les milices défendant Skin Valley, les Tchétchènes n'ont détaché qu'une seule compagnie, Vedanskaya. Curieusement, cela suffisait. La compagnie était commandée par Zodin Benuradov, mieux connu sous son indicatif d'appel Cuba. Cuba, calme et même intelligent, dans le passé il était instituteur. Ces combattants ont été les premiers représentants de l'armée russe à pénétrer dans la capitale de l'Ossétie du Sud. Avant cela, la ville était détenue exclusivement par les milices. Cuba est entrée dans la ville par le nord, juste au moment où les chars géorgiens sont entrés par le sud. La deuxième tentative de prendre la ville a commencé. Au moment de l'apparition de la compagnie Vedanskaya dans les rues de Tskinv, qui est devenue la ligne de front, il n'y avait pas plus d'une centaine et demie de milices Ossètes. L'artillerie a commencé à travailler avec une vigueur renouvelée depuis les hauteurs environnantes autour de la ville. Elle n'avait rien à opposer. De quelque part dans la région du quartier général du maintien de la paix, le seul char capturé, capturé par les ossettes la veille, grondait. Depuis les montagnes, ils ont obstinément essayé de le couvrir avec plusieurs lance-roquettes. Ce duel a duré deux heures, puis le char s'est tué et après 40 minutes supplémentaires, l'armée géorgienne a commencé à entrer dans la ville. Une autre bagarre dans les rues. Les ossètes, durement battus la veille, ont fui les Géorgiens et se sont heurtés aux Tchétchènes allant à la rencontre. Où allez-vous Allez à une mort certaine. Ils ont de tels fusils de snipers là-bas, ils frappent sur un kilomètre et demi. Au début, Cuba plaisantait sombrement. Des fusils, dites-vous C'est bon. Nous aimerions ceci. Allons les chercher chez les Géorgiens. Les Tchétchènes se sont déplacés et ont rencontré de nouveaux groupes de milices en fuite. Où allez-vous Allez à une mort certaine. Tout a été répété avec de légères variations. Une fois de plus, le « Cuba », habituellement flegmatique n'a pas pu le supporter. Salope Il a tiré sur le col de la milice, courait, courait. Nous ne vous dérangeons pas. Mais mes combattants n'ont rien à s'accroupir sur leurs oreilles. Un autre d'entre vous me dira une mort certaine, je le fusillerai sur le champ pour alarmisme. Le carreau de son calage tinta de manière menaçante. D'habitude, Cuba est paisible, même trop pour un Tchétchène. Mais cette fois, il a attaqué les milices au set si sauvagement qu'il a semblé qu'il allait vraiment mettre quelqu'un contre le mur. Et quoi Ses camarades me l'ont dit plus tard. Il peut. Il est toujours silencieux, il est calme, mais au combat, oh, féroce. Cuba, dans le bataillon, était respecté précisément pour sa capacité à toujours être à la hauteur de la situation. À la manière Tchétchène. Ce respect s'exprime par le claquement de la langue et la phrase. Et eux Cuba est magnifique. La compagnie Vedanskaya a traversé toute Skin Valley et est allée vers les Géorgiens, qui n'essayaient d'arrêter que quelques dizaines de miliciens qui n'avaient pas fui. Ce sont eux qui cette fois assomment le premier char géorgien dans le secteur de la douzième école. Le lance-grenade sucelant, rampant loin du point où il a tiré, jurant sombrement. Vous ne pouvez pas le prendre d'un seul coup. Ah, si on avait un crayon. Un crayon est une double grenade spéciale, la première charge mine le blindage actif du char, et la seconde, cumulative, qui la suit, brûle déjà à travers le blindage du transporteur et ne laisse aucune chance au char de s'échapper. Le char, blessé par Suslan, avec une transmission cassée, a perdu sa course, s'est arrêté au milieu de la rue et creusé d'un canon et d'une mitrailleuse à n'importe quel endroit où il a remarqué du mouvement. Suslan, couvert par un mitrailleur et un tireur d'élite, a manéuvré, essayant de trouver une position pour un deuxième tir. Le terrible quadrille a duré longtemps, très longtemps, peut-être une heure environ. Impossible de s'approcher. Suslan a continué à chercher une position pour le deuxième coup. Le char a tourné sa tourelle et ne l'a pas laissé se rapprocher. Les Géorgiens ne pouvaient pas quitter le char immobilisé, ce n'était pas pour rien qu'un gars avec un SVTCHKA était avec Suslan. Il s'étala dans la cour de la maison, derrière une clôture en pierre et à travers l'espace laissé par l'obus et visa, coupant la voie d'évacuation pour l'équipage. La trappe s'est ouverte et une balle a immédiatement cliqué sur l'armure. Un canon a été tiré dans la brèche, mais le tireur d'élite a réussi à traverser vers une autre position. La question n'était pas de savoir si les géorgiens piégés à l'intérieur survivraient ou non, mais simplement combien de temps ils dureraient. Le pétrolier a probablement compris qu'il était en vitant qu'il avait des obus et qu'il pouvait chasser Suslan. Mais tôt ou tard, les obus s'épuiseront. Chaque nouveau plan rapprochait la fin. Le pétrolier a encore tiré. Et que devait-il faire Suslan ne s'est pas arrêté une seconde, cherchant une position pour un nouveau coup. Le mitrailleur qui le couvrait fut bientôt couvert par une autre volée de canons. La moitié supérieure de son corps, vêtu d'un sweatshirt gris vert, était étendue sur le trottoir. Il y a de la confusion sur le visage, un désordre sanglant sous la taille. Suslan s'est glissé à travers les chantiers, essayant d'approcher le char par le côté. À la fin, le char a tiré ses munitions et s'est tu. Ensuite, j'ai souvent essayé d'imaginer avec quel sentiment le pétrolier géorgien avait appuyé sur la gâchette, sachant que c'était son dernier coup. Bang, bang. Il n'y avait plus d'obus. Et à ce moment, le char a été touché pour la deuxième fois par un lance-grenade. Suslan a remporté ce duel. En tant que vainqueur, il a fait preuve de noblesse, il a ordonné de mettre en place une sentinelle pour que les Ossètes ne se moquent pas des cadavres de pétroliers et de fantassins géorgiens accompagnant le char. Je me suis approché du champ de bataille avec une femme aux sette vêtue d'une robe de flanelle et de pantoufles usées. En chemin, elle m'a dit que sa maison avait brûlé et qu'il ne lui restait plus rien. J'ai même emprunté des pantoufles à un voisin. La rue était entièrement inondée d'eau provenant d'une pompe bombardée et les pantoufles étaient trempées. Venant avec le pétrolier géorgien mort, elle s'est précipitée pour lui donner un coup de pied. La femme a été arrêtée. Ce sont toujours des soldats, même s'ils sont géorgiens. Le géorgien était allongé sur le dos au bord d'une flaque d'eau géante. Ses yeux ouverts regardaient le ciel caucasien. Dans ses yeux morts, un éclat de vie semblait encore figé. Non loin de cet endroit, les forces spéciales tchétchènes n'ont pas moins réussi à faire face à un autre char géorgien et à un véhicule de combat d'infanterie. Ce n'était pas facile pour eux de se coordonner avec les milices. L'interaction entre professionnels et amateurs semblait parfois même comique. Des entretiens à la radio. Étouffés avec une voix d'excitation. 501 Saint appelle Strelka. 501 Saint appelle Strelka. Voix absolument calme et même flegmatique. Je suis shooter, fini, tireur. Entendez-vous Il y a des chars géorgiens au passage à niveau. Beaucoup d'eux. Quelque chose doit être frappé sur eux. 501 Saint, j'ai bien compris que vous avez besoin d'un soutien d'artillerie Oui. 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 D'accord, prenons les coordonnées. Quelles sont les coordonnées Eh bien, les chars. Que diable coordonne Je dis chars au passage à niveau. En fin de compte, ils ont fait face à ces chars. Les Géorgiens ont travaillé selon le schéma d'hier, véhicules blindés à l'avant, infanterie à l'arrière. Ça s'est mal passé. Malgré la supériorité numérique et de feu, après les premières pertes, l'attaque s'est étouffée et ils se sont retirés. Probablement, pour la capture de ville, de telles tactiques ne fonctionnent plus. Peut-être était-il efficace pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le char de la ville était vraiment une force terrible, l'artillerie ne peut pas être déployée ici et l'ennemi ne peut s'opposer à rien de pire qu'un fusil anti-char. Mais maintenant, c'est une autre affaire, contre l'infanterie équipée de lance-grenades à main, un char empêtré dans les rues de la ville a l'air misérable et sans défense. Les Tchétchènes le savaient bien. Ils ont déjà brûlé des chars russes à Grozny à l'hiver 1994. En théorie, les Géorgiens auraient dû le savoir aussi. Ils ont été entraînés à la guerre par des conseillers militaires expérimentés. Au total, l'opération en Ossétie du Sud a été préparée par 130 experts militaires américains et environ un millier d'experts militaires israéliens. Fait intéressant, parmi eux se trouvait le général israélien galirsch Il a personnellement préparé l'attaque de Tzkinvali. Il y a exactement deux ans, ce général planifiait une autre opération militaire, l'attaque d'Israël contre le Liban. L'accent était également mis sur les percées massives de chars. Cependant, la guerre s'est terminée plutôt honteusement pour l'État juif. Le Hezbollah libanais a mis le feu aux chars israéliens Merkava de manière célèbre et en grand nombre. Elle l'a fait avec des lance-grenades de fabrication soviétique achetées en Syrie. Il y avait encore beaucoup de ce bien de l'époque de l'amitié soviéto-syrienne. Hirsch a dû démissionner et a rapidement déménagé en Géorgie. Ici, pour lui, il y avait un travail dans sa spécialité, et il a immédiatement marché sur le même râteau. Le général, professant la priorité inconditionnelle de sauver la vie de chaque juif, cette fois aussi, protégea les géorgiens. Le résultat à la fin était le même, peu de défaites, peu de succès. De plus, à la place des célèbres mercaves, il n'avait à sa disposition que des T-72 modernisés. Certes, en revanche, il n'y avait pas un Hezbollah entraîné, mais seulement une milice 7 mal armée. Matin du même jour. Tskin valley Le premier assaut s'essouffle dans la nuit du 8 août. Le deuxième a commencé le 9 dans l'après-midi. Il y a eu un calme relatif entre les deux assauts à Tskin Valley. Quelques journalistes ont rampé hors de divers abris et sont allés filmer les conséquences de l'agression d'hier. Des chars incendiés par Barankovic près du quartier général des casques bleus. Une voiture blindée de l'OTAN a explosé dans la rue Staline avec une inscription géorgienne à bord, Police. Son équipage géorgien gisait autour, essayant de s'échapper de la ville à pied, mais tomba sous le feu des mitrailleuses des milices. Des volontaires ont été emmenés pour regarder le géorgien, qui s'est d'abord caché dans les jardins, puis, se débarrassant du camouflage de l'OTAN qui le trahissait, a tenté de s'échapper en portant uniquement des shorts et des chaussettes. Le gars a presque couru vers le sien, mais à la périphérie même, il a rencontré des ossettes, qui l'ont criblé. Il gisait sur le côté, au milieu d'une rue étroite, traversée par des tireurs d'élite géorgiens et ossettes. À travers les énormes blessures, des os blancs éblouissants étaient visibles. Les yeux du garçon étaient ouverts, son visage calme. Je remarquais mentalement que son short, imbibé de cent parts encore noirci, était exactement de la même marque que ceux que je portais, même les couleurs correspondaient. La pensée que pas lui, mort, et moi, vivant, n'avions le même caleçon l'énervait. Et quoi C'est assez logique, nous vivions avec lui dans le même espace globalisé, et quand il est né, c'était aussi un pays. On mangeait les mêmes frites dans le même type de McDonald's, on portait les mêmes biens de consommation chinois. Puis il est mort, ou plutôt tué. Je ne vivrai pas éternellement non plus. L'image la plus terrible s'est ouverte dans l'Oak Grove. Là-bas, l'équipement géorgien était couvert par le russe Sushki. Réservoir incendié ou simplement abandonné. Une forêt jonchée d'une dispersion de cadavres en tenue de camouflage de l'OTAN. L'un des cadavres était un nègre, probablement un conseiller militaire des États-Unis. L'autre était un mongoloïde évident. Un mercenaire du Kazakhstan, a suggéré mon guide. Au milieu de cette apothéose de la guerre se tenait une camionnette incendiée du service médical militaire géorgien. Une troupe carbonisée d'une femme médecin géorgienne gisait à proximité. À l'endroit causal pour elle, l'une des milices farceuses a déjà réussi à planter une toute nouvelle mine de mortier. Le char géorgien, non assommé, mais simplement abandonné, était déjà complètement détruit. Les mitrailleuses, les viseurs, les appareils de vision nocturne en ont été retirés. Une telle chose coûte 40 000 dollars. A expliqué un jeune aux 7 ans sur vêtements bleus, avec une mitrailleuse dans le dos et une bouteille de bière à la main, et le char lui-même doit être démarré et conduit en ville. Pourquoi se contenter de se taper les jambes Les tentatives pour faire revivre la technique ont échoué. Ou peut-être que les milices appuyaient simplement sur les mauvaises pédales. Tout ce qui a été réalisé a été de mettre la voiture au point mort, après quoi elle a soudainement descendu la montagne toute seule. Pour l'arrêter, des rochers ont dû être jetés sous les chenilles. Au diable avec lui, le bleu avec la mitrailleuse agita à la main, c'est encore plus sûr sans lui. Et puis nos gens verront un char incompréhensible, ils pourront tirer. À l'aube du même jour. Tskin Valley. Le soleil s'est levé sur Tskin Valley le 9 à 6h10, je l'ai ensuite vérifié sur Internet. L'aube a égayé les défenseurs de la ville. Par un miracle, ils ont réussi à tenir, à survivre, à repousser l'assaut d'hier. À survivre au bombardement nocturne et à rencontrer un nouveau jour. De là, l'air semblait particulièrement savoureux et je voulais sourire sans fin. Des milices aux 7, armées de mitrailleuses et de lance-grenades, occupent des positions aux abords de la ville. Pour commencer, j'ai cloué l'un de ces groupes de miliciens, laissant la banquette arrière du Nofinalov qui m'a servi de lice cette nuit-là. Des galocos ordinaires en tenue de camouflage assorti. Certains d'entre eux portent déjà des casques capturés par l'OTAN. Armée de vieilles Kalachnikov de calibre 7.62 avec des crosses en bois. Au mieux, un lance-grenade, une mitrailleuse et un fusil de sniper par groupe. Les rayons obliques du soleil levant d'où la rue dont l'asphalte était labouré par les camions-citernes, scintillaient dans les éclats de verre qui bordaient le bord de la route, illuminaient les marques d'opale sur les murs des maisons et jouaient sur les flancs des rues éparses. Coquilles de coquilles géorgienne. Les miliciens m'ont fourni un gilet pare-balles et m'ont noué un ruban blanc autour de la manche, pour ne pas être confondus avec les géorgiens. Ils ont proposé de prendre une mitrailleuse, juste au cas où. Il a pris le gilet, refusé le calache, la profession ne le permet pas. Dites-moi si vous changez d'avis, prévient le jeune osset aux cheveux bruns. Maintenant personne ne comprend, un journaliste, pas un journaliste. Hier, nous avons nous-mêmes abattu vos collègues américains ici. En voici plus d'ici, ai-je demandé. Il s'est avéré qu'une Jeep a sauté sur les gars qui se tenaient à la périphérie de Tskin Valley. De là, ils ont d'abord dit bonjour. Gamarjoba, et lorsque les miliciens ont saisi leurs armes, la Jeep a fait demi-tour et s'est précipitée vers les positions géorgiennes. La voiture a été immédiatement abattue, et lorsqu'elle s'est arrêtée et a glissé dans un fossé, quatre journalistes blessés se trouvaient à l'intérieur. Il semble qu'ils travaillaient du côté géorgien. Les Américains, bien sûr, m'a assuré le type qui a criblé cette voiture. Un, hein, cependant, ressemble à une crête, mais je ne pense pas que ce soit une crête. Et pourquoi ces Américains vous ont-ils salué en géorgien? Je ne sais pas. Mais ils avaient des passeports américains. Eh bien, si je comprends bien, parmi eux se trouvaient des géorgiens qui travaillaient pour le Pimp. Et vous les avez terminés, bien sûr. Pourquoi Ils ont été transportés à l'hôpital. Deux, cependant, sont morts chèrement, et les autres sont toujours là. Pour quelle publication travaillait-ils Le gars a juste montré ses dents. Putain c'est Milieu du troisième jour de la guerre. Skin Valley. Pendant deux jours, je n'ai pas eu le temps de connaître le sort de mes collègues. Mais le 10, lorsque les combats pour Tskinvali ont cessé, je me suis souvenu de cette histoire et j'ai appelé mon vieil ami Malkas Gulashvili à Tbilissi. Il était le propriétaire du principal journal anglophone de Géorgie, le Georgian Times. Cher! Je suis maintenant en Ossétie du Sud. Et ici, j'ai entendu une histoire de journalistes américains assassinés, mais personne ne dit vraiment rien. Peut-être que ce sont des limons géorgiens. L'un des vôtres a-t-il disparu Malkas a brûlé l'armée russe pendant longtemps et Sakasvili, qui a commencé ce gâchis, a dit que tout son peuple était en sécurité et m'a demandé de l'appeler si je découvrais les détails. En se séparant, son ultimatum m'a demandé d'être plus prudent. S'il te tue, je t'arrache les couilles de Poutine et de Nomichiko. J'ai dû me rendre à l'hôpital républicain bombardé où, selon les Ossettes, les blessés américains étaient emmenés. L'hôpital, malgré tout, a continué à fonctionner. La salle d'opération et les salles ont été aménagées au sous-sol. Le médecin de service a immédiatement affiché les passeports des Américains assassinés, il s'agissait de Giga Chiclads, que je connais bien, et de la photographe de Tbilisi Sacha Klimchuk. Avant la guerre, Sacha me boudait de ne pas avoir trouvé le temps de le rencontrer et de dîner à la Géorgienne, toute la soirée et minuit, quand je suis allé à Tbilissi pour la dernière fois. Tôt le matin du premier jour de la guerre, il a reçu un appel de Newsweek. Sacha, Partagez des photos de votre côté. Bien sûr, j'y vais dans une heure, il y aura assez de photos exclusives pour tout le monde. Sacha et Giga ont travaillé du côté géorgien, mais pour des publications russes. Les ossettes ont tiré les leurs. Irez-vous à la morgue pour les voir J'ai refusé. Puis la sœur aînée, qui a été convoquée, m'a emmené au sous-sol, où mes collègues blessés gisaient parmi les miliciens défendant Valley et les civils blessés. Il y a deux jours, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. L'un était en effet un Américain, il s'appelait Winston Fatterly. Le second est un très jeune Géorgien, Temuraz Kigurats. Tous deux travaillaient pour l'American Messenger. Winston a été grièvement blessé à la jambe, il avait besoin d'une opération qui ne pouvait se faire à Tskin Valley. Les médecins ont convenu de son transport à l'hôpital de Vladikavkaz. Temuraz avait un passe-partout insignifiant dans sa main. Il était sobre, poli, recueilli. Nous avons parlé. Ça ne marche pas ici. Tu veux qu'on monte du sous-sol, qu'on appelle chez moi sur mon portable Merci. J'ai reçu un appel à la maison, le mien le sait déjà. Je vois que Winston ne peut pas sortir. Mais s'il veut, je peux appeler les États-Unis moi-même, dire à sa famille que, bien qu'il ne soit pas en très bonne santé, il est bien vivant. Laissez-le dire le nombre. Lui aussi a déjà notifié à son peuple que tout, plus ou moins, Dieu merci. Vous êtes bien ici Vous offensez Compte tenu de la situation, il nous traite plus que décemment. Probablement, tout n'allait pas si bien, mais Temuras n'avait clairement pas l'intention de dissoudre les infirmières. Il riait dignement des incitations de ses voisins du sous-sol. Il le considérait clairement comme un représentant du camp hostile. Le soir même, ils furent emmenés à Vladikavkaz et tous deux purent bientôt rentrer chez eux, l'un à Tbilisi, l'autre dans l'état d'Alaska. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai rappelé Malkaz et je lui ai tout raconté. Une demi-heure plus tard, le frère de Gigi Chikladz m'a appelé. Atbil ici, la nouvelle se répand rapidement. Désolé de vous déranger. J'ai des informations selon lesquelles Giga est à l'hôpital de Vladikavkaz avec une blessure grave. Il y avait de l'espoir et du désespoir dans sa voix. Apparemment, Malkaz lui avait déjà dit que cette information n'était pas exacte. J'ai décidé de ne pas couper la queue morceau par morceau et j'ai laissé échapper. Gigu a été tué. Avant hier. Mes condoléances. Savez-vous sûr? Avez-vous vu son corps? L'espoir continuait à lutter contre le désespoir. J'ai vu son passeport. Je ne suis pas allé voir le corps. Je tenais toujours les tuyaux du téléphone portable dans mes mains. Avant-hier, un jeune osset a tiré sur mes collègues. Pour le troisième jour, leur corps repose à la morgue de l'hôpital de Tskinvali. Bien sûr, le gars a agi de manière adéquate à la situation. Et il a même fait preuve d'un certain humanisme en livrant les tireurs à l'hôpital. Avec l'amertume régnant dans les rangs des ossettes, il aurait bien pu les achever sur le champ et personne ne lui aurait dit un mot méchant. C'est ma solidarité d'entreprise qui est au-dessus de toute émotion chauvine, mais pour lui, ce n'était que des bâtards géorgiens-américains. Premier jour de la guerre, hôpital de Tskhinvali. En septembre, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais retrouver Temuraz. À l'hôpital de Tskhinvali, il n'a pas été particulièrement franc avec moi. Je l'ai compris, un homme chauve et barbu avec une lettre de Newsweek dans sa poche pouvait se révéler être n'importe qui, dans une autre poche il pourrait bien y avoir une croûte rouge avec l'inscription FSB. Et maintenant, je voulais voir ces événements à travers ses yeux. Je me suis installé sur Malkaz et sur mes tentes de Tbilisi. Trouvez-moi ce type blessé, il doit se souvenir de moi, nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. Ténuras m'a rappelé un jour plus tard, et trois semaines plus tard j'ai reçu un petit texto de sa part. Tu ne pouvais pas t'enfuir tu n'aurais pas dû t'enfuir, cette pensée m'a traversé l'esprit alors que j'étais allongé sur le trottoir et que je regardais un gros milicien en s'être essayé en vain de tâter le pouls dans le cou de Sacha Klimchuk, qui était allongé sur le ventre, un peu en avant. Le même gros homme m'a sorti de ma stupeur en donnant des coups de pied avec sa botte Lève-toi, salope Je me suis levé, devant j'ai remarqué comment mon éditeur blessé était soulevé, derrière lui Giga Chiclades était allongé presque dans la même position que Sacha. Les gars font semblant d'être morts pour tromper les Ossettes, j'ai eu une idée folle, cependant, ils ne m'ont pas beaucoup laissé réfléchir, ils m'ont immédiatement entraîné vers les bâtiments délabrés devant nous, les ossettes qui nous ont rencontrés le long du façon n'a pas manqué l'occasion de nous causer des insultes physiques et verbales, comme je le dirai plus tard à Tbilisi. Un Américain, laissant derrière lui une traînée sanglante d'une balle dans la jambe, a été emporté. Ils m'ont emmené dans un sous-sol qui puait l'humidité et ont commencé l'interrogatoire. Qui sait Journaliste, presse, reporté. Famille. Kiguradze. Géorgien Qu'est-ce qui te manque ici Vous êtes venu avec des chars Où est votre escouade Je ne me souviens pas combien de temps a duré l'interrogatoire, peut-être 10 à 20 minutes, pour moi ils ont traîné sans fin, le coup de coude a de plus en plus déclaré son droit à l'attention. Oui, je suis géorgien, d'un journal de Tbilisi, mais américain avec moi. Non, nous n'avons pas de troupes avec nous. Un petit ossette m'a déjà interrogé en géorgien. Pourquoi se sont-ils enfuis, effrayés Vous n'avez pas peur de venir ici Après cela, il a dit que nous étions des espions géorgiens et que nous serions très probablement abattus dans quelques minutes, puis Giga, comme il s'est avéré plus tard, son nom, a demandé si mon bras blessé me faisait mal. L'interrogatoire s'est poursuivi déjà dans le garage où j'ai été traîné après un certain temps. Si je comprends bien, le garage était quelque chose comme un quartier général temporaire des milices, au moins de nouveaux ossettes en uniforme militaire y venaient tout le temps et me regardaient, moi et l'Américain, avec surprise. Giga a demandé au gros homme ivre qui m'a donné un coup de pied il y a une heure de me bander la main. Ce qu'il a fait, versant beaucoup de vodka sur la plaie, après avoir bandé les ossettes, mis une bouteille dans ma main et versé des chocolats en forme de lapin et d'ours dans l'autre, manger du chocolat, ce sera très difficile pour vous bientôt, ajouta-t-il presque affectueusement. Entre-temps, j'ai réussi à atteindre le coin du garage où mon éditeur était assis sur un canapé à côté d'une grosse jeep avec le signe de l'ONU. Ils l'ont également bandé, bien qu'une flaque rouge descente se soit déjà formée sous lui. Que vont-ils faire de nous a-t-il demandé, je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée. Les miliciens se disputaient à propos de quelque chose, regardant de temps en temps dans notre direction, dans le discours au 7, des mots russes n'arrêtaient pas de clignoter, et j'entendais comment l'un d'eux prononçait le mot otage. Après un certain temps, Giga est revenu. Il s'est avéré qu'il connaissait aussi un peu l'anglais. Posant quelques questions à l'américain, il s'est de nouveau tourné vers moi. C'est de là qui était avec toi. Ils sont morts. Pour qui travaillait ils À un magazine russe. Cette réponse a évidemment intrigué le polyglotte O7, Eh bien, en principe, c'est compréhensible. Une chose est les espions géorgiens tués. Une autre chose est les correspondants morts de l'édition russe. Comment es-tu arrivé là En voiture depuis Tbilissi. Comment êtes-vous arrivé à Tskinvali J'ai dû raconter brièvement tout notre voyage de Tbilisi à Tskinvali sur le vieil Opel de Sacha, qui se tenait maintenant non loin de l'endroit où nous avons rencontré des soldats Osset, les prenant pour la position avancée des troupes géorgiennes. Alors vous pensiez que les géorgiens avaient pris Tskinvali Est-ce pour cela qu'ils nous ont crié ⁇ Gamar Joba ⁇ en géorgien ?⁇ Nous ne savions pas avec certitude, à Tbilisi maintenant il n'y a aucune information fiable sur ce qui se passe ici. Va te faire foutre Pas Tskinvali des Géorgiens étaient attendus ici, non Votre Sakasvili va sucer Le gémissement de l'Américain interrompit notre conversation, la vodka qu'on nous donna à la place de l'anesthésie ne donna toujours pas l'effet escompté. Les ossètes nous ont dit que si, mon Américain, n'était pas transporté à l'hôpital dans l'heure, il mourrait très probablement d'une hémorragie. Mais il n'y a plus d'hôpital à Tskin Valley, vous l'avez fait sauter la nuit dernière. D'après le ton et l'adresse des ossètes j'ai compris qu'il avait changé d'avis sur le fait de nous tirer dessus. Je ne sais pas ce qui les a affectés, la presse des cartes qu'il était les nôtres lors de la recherche, la mention des publications russes pour lesquelles Giga et Sacha travaillaient, ou ils ont juste eu pitié de nous. Je m'en fichais, j'ai regardé le grand osset du PKK qui souriait effrontément en me fixant dans les yeux. C'est lui qui nous a tiré dans le dos quand on courait, c'est avec cette mitrailleuse que les gars ont été tués. Il s'est assis à côté de nous et, comme s'il lisait dans mes pensées, nous a dit, C'est moi qui t'ai tiré dessus, et j'ai tué tes amis. L'Américain et moi avons été fouillés à la hâte, ils ont trouvé de l'argent caché dans un portefeuille spécial de sous-vêtements, des dollars ont été emportés, le lari n'a pas été touché. J'ai demandé à Giga ce qu'il allait faire de nous ensuite, il a dit qu'il ne savait pas, à ma demande de nous rendre le téléphone pendant un moment afin que nous puissions contacter la mission de l'OSCE en Ossétie du Sud, il a dit qu'il y avait cela ne servait à rien. Comment les derniers véhicules de l'OSCE ont emporté Tskin Valley il y a environ 3 heures. Après environ 15 minutes, il a dit que nous serions emmenés à ce qui restait de l'hôpital de Tskin Valley, Il a tenu parole, exactement un quart d'heure plus tard, une Niva rouge est arrivée à l'entrée, la même vieille connaissance, le gros O7 conduisait. À une vitesse vertigineuse, la Niva roulait sur ce qu'on appelait probablement autrefois la route. Chaque bosse sur la route couvrait le bruit du moteur par nos cris avec l'Américain. Il s'est avéré que l'hôpital a essuyé des tirs, les étages supérieurs ont été pratiquement démolis, comme l'ont affirmé les Ossètes par les grades géorgiens. Toutes les opérations se déroulaient au sous-sol, la table d'opération était juste dans le couloir. Notre chauffeur s'est vanté auprès du médecin du pneu qu'il m'avait mis sur la main dans le garage, acceptant les éloges, le gros homme m'a demandé, dites-moi, les géorgiens me mettraient-ils un tel bandage s'ils m'attrapaient La question s'est avérée être rhétorique et me souhaitant un rétablissement. Il est parti et a promis de me rendre visite plus tard. Au chalef d'événements qui se développaient aussi rapidement et de manière incompréhensible, j'ai bêtement regardé le médecin faire quelque chose avec ma main, j'ai repris mes esprits quelques minutes plus tard lorsque l'infirmière m'a demandé mon nom de famille, je me suis présenté, plusieurs personnes debout à proximité ont regardé autour de moi avec surprise quand ils ont entendu la fin, J.O., sous leurs yeux j'ai été emmené au sous-sol où se trouvait ma couchette Elle va te faire une piqûre, baisse un peu ton pantalon. Ah, eh bien mais tout est si sale ici, je ne voudrais pas attraper le sida ou l'hépatite avec une aiguille sale ici. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'attraper une balle ici que le sida. Nous avons commencé à évaluer tranquillement notre situation. Nous sommes à l'hôpital de Tskinvali, notre statut n'est pas clair, tous nos biens, y compris les documents, les téléphones et le matériel, ont été emportés par la milice, nous ne savions pas où se trouvaient les corps de Sacha Klimchouk et Gigi Chiklats. Jusqu'à présent, ne comprenant pas très clairement comment nous nous sommes retrouvés ici et pourquoi nous sommes en vie, nous avons commencé à examiner la pièce dans laquelle, en fin de compte, nous devions passer encore trois jours. Notre service était une branche du grand sous-sol de l'hôpital, à part nous deux, il y avait dix autres lits, pour la plupart déjà occupés par des ossettes blessés. Il n'y avait pas de lumière, donc l'intérieur était complété par des lampes à pétrole placées près de presque tous les lits. Les miliciens passaient, jetant parfois des regards surpris aux deux civils dans le coin qui parlaient anglais. Un peu plus tard, le médecin qui a opéré l'Américain est venu, nous avons commencé à parler. Il s'appelait Costia, c'était son premier jour de guerre et il s'est assis et a fumé son premier paquet de cigarettes de sa vie. Qui a bombardé l'hôpital, le nôtre Eh bien, oui, le nôtre, c'est-à-dire non, le vôtre, les Géorgiens en général. Combien de morts, de blessés Oui, décemment, nous en avons assez, nous avons encore des médicaments, mais ici vous comprenez un tel gâchis de sa mère, il y a même plusieurs ossettes que les ossettes ont abattues dans le noir. Kostia a déclaré qu'en plus des blessés, des civils se rassemblaient également à l'hôpital, les épais murs de béton du sous-sol étaient probablement l'un des endroits les plus sûrs de Tskinvali pendant les bombardements nocturnes. Kostia s'est plaint que les Russes étaient en retard à l'entrée de Tskinvali, juste un peu plus et nous ne tiendrons pas le coup. Peu à peu, la salle a commencé à se remplir, les milices aux sept blessés étaient amenées toutes les heures, parmi elles étaient en parfaite santé, qui étaient simplement fatiguées et voulaient dormir dans un environnement plus ou moins sûr. L'un des médecins nous a promis de contacter l'OSCE, l'autre a dit qu'il nous ferait savoir si une équipe de tournage arrivait à l'hôpital. En prévision de cet autre ou troisième, la nuit du 8 août passa. La matinée du 9 n'apporta rien de nouveau que de nouvelles rumeurs blessées et étranges. Vers 10 heures du matin, je n'ai pas pu le supporter et, malgré les avertissements du médecin, je suis sorti dans le couloir et je me suis immédiatement engagé dans une conversation avec des habitants qui, pour une raison quelconque, m'ont pris pour un journaliste russe, mais je n'avais aucune envie particulière de les dissuader. Regardez ce qu'ils font, ils écrasent des enfants dans la rue avec des chars. La « L'as-tu vu ?»« Non, mais les gens disent. » Après vingt minutes d'une telle conversation, je suis retourné dans mon lit, une infirmière s'est approchée de moi pour s'enquérir de notre bien-être et m'injecter une autre dose d'antibiotiques. J'ai essayé de savoir si des journalistes étaient apparus à l'hôpital et s'ils étaient même là. « Oui, bien sûr, ils viennent souvent vers nous, maintenant tout le monde vient de se cacher du bombardement », ça va se calmer un peu et ils vont monter. N'ayez pas peur, ils vont bientôt vous traîner hors d'ici, ils ne vous quitteront pas, mais que faire du reste Personne ne viendra les chercher. La fille a dit que depuis le troisième jour qu'elle vivait à l'hôpital avec sa fille de 5 ans, à la fin, elle a commencé à me supplier de venir chercher son enfant quand nous avons été sortis. Je ne peux pas, je ne pense pas que tu veuilles que ta fille vienne avec nous. Pourquoi serez-vous en sécurité, vous êtes des journalistes Voulez-vous vraiment que votre enfant nous accompagne là d'où nous venons où aller Là-bas, à Tbilissi. » L'infirmière s'est immédiatement tue, réalisant finalement que malgré mon russe, je n'étais toujours pas celui pour qui elle me prenait. Non, je ne le fais pas, a-t-elle dit, et elle est immédiatement partie. Quelques heures plus tard, j'ai réussi à persuader le médecin de me laisser appeler depuis son portable. Mobile, comme la plupart des téléphones portables en Ossétie du Sud, était connecté au réseau géorgien. J'ai appelé ma mère, j'ai dit que j'étais en vie puis j'ai réussi à contacter les amis de l'Américain. Comme promis par l'infirmière, dès que les bombardements se sont calmés, des journalistes ont commencé à apparaître à l'hôpital. Nous avons accordé des interviews à de nombreuses personnes, demandé de l'aide, nos collègues ont sympathisé avec nous, mais ils ne pouvaient en aucun cas nous aider à nous en sortir. Le journaliste ukrainien a déclaré qu'il attendait lui-même de déménager en Ossétie du Nord, vous savez comment les Ukrainiens sont traités ici maintenant. Le correspondant de la « Newsweek » russe est apparu, Or, quand Zemal, il s'avère que Sacha et Giga ont travaillé pour leur publication, il a promis de contacter des journalistes à Tbilissi et à Moscou pour les informer de notre situation. Bientôt, nous apprîmes des médecins qu'au plus vite, une opération était prévue pour évacuer les blessés de Tskin Valley vers Vladikavkaz. Vers l'après-midi, Irina Gagloeva, la chef du comité d'État pour l'information et la presse d'Ossétie du Sud, nous a rendu visite, je l'ai connue à Tbilissi, quand j'ai dû écrire des articles sur le conflit. Elle était la seule source d'information de la part des séparatistes. Gagloeva a déclaré au effort que l'Américain et moi étions venus avec les troupes géorgiennes sur un véhicule blindé de transport de troupes pour filmer la victoire des troupes géorgiennes. Elle a également informé l'Américain et moi que les Géorgiens étaient une nation génétiquement laide et que les soldats géorgiens ont réussi à organiser le génocide Osset en deux jours. Les miliciens passant par là ont commencé à se rassembler au bruit, découvrant d'où nous venions. Un gars, Tirant sur le volet de la Kalachnikov, a demandé Qu'est-ce qu'on te soigne ici, bordel et m'a suggéré de sortir avec lui dans la cour. Les médecins arrivés à temps ont pu calmer à la fois Gagloeva et la milice, mais la rumeur selon laquelle. Pendant le pansement, le médecin m'a conseillé de ne pas sortir de mon lit pour ma propre sécurité. Au même moment, une femme médecin s'est approchée de moi, s'est penchée vers mon oreille et a commencé à chuchoter, j'ai frissonné, elle a chuchoté en géorgien. N'ayez pas peur, je suis géorgien. Je suis né et j'ai grandi ici, soyez prudent et sachez que nous, les médecins, ne vous laisserons pas offenser. Le soir, j'ai de nouveau essayé de supplier les médecins pour un appel sur le mobile, Kostia a accepté et m'a emmené dans la chambre de l'interne miraculeusement survivante au deuxième étage. En fermant la porte derrière moi, j'ai entendu une forte natte géorgienne devant moi. Vous voyez ce qui se passe Qui en a besoin Vous savez combien de géorgiens et de familles mixtes vivent ici a marmonné un grand homme chauve en blouse blanche entrecoupant le discours russe de jurons dans ma langue maternelle kostia a dit que nos affaires n'allaient pas bien et que nous ne pouvions contacter ni l'osce ni les casques bleus votre seule chance est d'aller avec les blessés à vladikavkaz même si je ne sais pas si nous pouvons vous emmener à la fin il s'est fâché pour être honnête vous comprenez vous-même que vous les géorgiens en gros tout mettre sur toi eh bien si les américains se plient ici ce ne sera pas bon quand je suis retourné dans le service j'étais fondamentalement prêt à tout des milices ossettes m'entouraient et je devais raconter notre histoire, regardant de côté les mitrailleuses que chaque blessé mettait sous sa tête. Heureusement, les choses ne sont pas allées au-delà des menaces et des regrets de ne pas avoir été abattus en chemin. Finalement, il m'a pris par la main et m'a pris à part un jeune osset et m'a dit Quand ils te demanderont qui t'a fait du mal, tu diras que les Géorgiens. De retour au lit et informant mon rédacteur en chef de la bonne nouvelle qu'après tout les ossettes ne nous tireraient pas dessus, je me suis allongé et je me suis assoupi. Je me suis réveillé du nombre devant mes yeux et je n'ai pas immédiatement compris si je dormais ou non. Devant moi se trouvait un grand milicien avec un PKK sur l'épaule. Nous l'avons tout de suite reconnu, il nous a regardé avec le même sourire narquois. M'a reconnu, a pris. C'est moi qui ai tiré, sur toi et sur lui. Je sais. Où sont tes deux amis Ils sont morts, tu sais. Oui, je sais, je les ai tués. Traduisez à l'américain que c'est moi qui l'ai blessé. J'ai traduit. L'Américain l'a regardé longuement et a dit, Bon coup. L'Ossétien a ri, puis a dit qu'il prenait la voiture dans laquelle nous sommes arrivés, elle est à moi maintenant. Je n'ai pas protesté. Un peu plus tard, j'ai eu une conversation avec mon compagnon de lit il s'est avéré être un sympathique Tskinvaliant d'environ 30 ans il s'appelait Igor. Il était blessé à la jambe, mais la blessure était légère, et il a dit que le matin il irait chez lui. Igor m'a raconté toutes les nouvelles et les rumeurs qui sont allées à Tskinvali. J'ai découvert qu'il s'avère que des Arabes, des Noirs et des Chinois ont combattu dans l'armée géorgienne, mais la chose la plus intéressante est que l'Ukraine a envoyé 200 tireuses d'élite, anciennes athlètes, en Ossétie du Sud. J'ai posé des questions sur les sources d'informations, oui, quoi disent les gars, répondit Igor. Au même moment, l'un des jeunes médecins au visage rayonnant est entré dans notre service, les Russes sont déjà à Tskinvali, a-t-il déclaré. J'appris que la 58e armée était déjà aux abords de la ville. Comprenant que je ne partageais pas vraiment son enthousiasme, le médecin est vite parti. Ainsi se termina le 9 août, le deuxième de notre séjour dans la région découverte. Le matin du 10 août a apporté une certaine clarté à la situation, le ministre de facto de la Santé d'Ossétie du Sud nous a rencontrés et a promis que l'Américain et moi serions définitivement emmenés à Vladikavkaz, car la route à travers le col de Rocky était pratiquement sous le contrôle de l'armée russe. Dans l'après-midi, l'évacuation a commencé. Il n'y avait pas assez de place et nous n'avons pas été emmenés. L'hôpital était pratiquement vide, seul l'Américain et moi et le milicien en sept blessés au dos restaient dans notre salle, regardant avec colère dans notre direction. Personne ne savait qu'il y aurait une deuxième vague d'évacuation. N'ayant rien à faire, j'ai erré dans les bureaux délabrés, examinant les énormes trous dans les murs. Mon voyage a été interrompu dans la cour de l'hôpital où j'ai essuyé des tirs, les obus ont explosé si près que le sol est parti sous mes pieds. Arrivé à la couchette, je décide d'attendre un peu avec une petite marche. Et tu as un couteau Non, tu veux manger Avez-vous de la nourriture Oui, les concentrés. Rien d'autre Pas. J'ai ramassé les restes de notre nourriture, qui nous ont été distribués par des femmes de passage, il y avait des pommes de terre bouillies, du pain, du fromage et du chocolat. Pour une raison quelconque, il y avait beaucoup de chocolat à Tskin Valley. Après avoir recueilli de la nourriture sur une serviette, j'ai tout apporté à un soldat qui m'a regardé avec un visage incroyablement surpris. Allez, mange. Quel âge as-tu Merci, j'ai 19 ans. Êtes-vous vraiment de Tbilissi Pas du tout, oui, de Tbilissi. Je me suis détourné et je suis parti, m'attendant à un autre flot de malédictions contre la Géorgie et le gouvernement géorgien, auquel je m'étais déjà habitué en deux jours. Arrête, attends, prends du lait concentré, mange, a dit le type en me tendant un bocal. Après quelques heures, le convoi est néanmoins arrivé, l'Américain s'est fait injecter une sorte de médicament, sa douleur est devenue insupportable et les médecins ont eu peur qu'il meure plus rapidement d'un choc douloureux que d'une gangrène. Des ambulances nous emmenaient vers le nord, à travers le Tskin Valley détruit. Tout le parcours sur la route de Vladikavkaz était rempli de matériel et de soldats russes. J'ai réalisé que la guerre était déjà terminée, mais je ne savais pas que dans quelques heures ces chars franchiraient la frontière administrative de l'Ossétie du Sud et occuperaient 30% de la Géorgie. Sur le chemin, près du village de Dzava, notre ambulance a été arrêtée. Ils sont là, j'ai entendu la voix de quelqu'un. La porte s'est ouverte et le président du territoire séparatiste de Kokwati a regardé dans la voiture. Eh bien, des journalistes américains ont filmé le blitzkrieg de l'armée géorgienne Maintenant guéri. Je me suis longtemps rappelé où j'ai vu l'expression des yeux que Kokwati avait alors, puis je me suis souvenu, ce type avec une mitrailleuse, dont les balles ont transpercé le cœur de Sacha et Gigi, nous regardait de la même manière. La nuit, nous étions déjà à Vladikavkaz. Troisième jour de la guerre. Quartier général des Casques Bleus. La défense au 7 était pratiquement brisée dès le premier jour de la guerre. Sur le chemin des colonnes de chars se tenaient tout au plus une centaine et demie de miliciens. Parmi les armes, ils n'avaient que des lance-grenades avec des coups uniques obsolètes. Et le bataillon russe de maintien de la paix a été enfermé dans sa caserne dans la banlieue de Tskin valley Les habitants appelaient la région Shanghai. Le bataillon n'avait aucune communication avec le quartier général du maintien de la paix situé au centre-ville. Ce qui se passait là-bas, ils ne le savaient pas vraiment au siège. À cette époque, des chars géorgiens travaillaient à bout portant à la caserne du bataillon. Les soldats de la paix étaient assis dans les véhicules de combat d'infanterie enroulés, mais aucun ordre n'a été reçu de Moscou pour riposter. Oui, et n'a pas pu le faire, la nuit, le centre de communication a été bombardé. Les équipages étaient en feu dans leurs véhicules blindés sans tirer un seul coup de retour. Le reste des soldats s'est mis à l'abri des bombardements dans les caves de la caserne. Toute tentative de sortir de là a été stoppée par des tirs de tireurs d'élite dense. Deux jours plus tard, le commandant des casques bleus, le général Koulakmetov, donne le chiffre officiel des pertes 18 personnes sont tuées et 150 blessées. En entendant cela, les officiers qui lui sont subordonnés baissent les yeux. Nous avons perdu beaucoup plus. Les chiffres non officiels étaient différents, de 100 à 200 personnes. Ne pas paniquer. Le capitaine Ivanov, l'assistant de Kulakmetov, a crié à ses camarades. Lui, chargé des contacts avec la presse, était dans une situation difficile. D'un côté, il semblait censé défendre une figure de propagande sous-estimée. Et d'autre part, il y avait des gens devant lui qui s'étaient déjà rendus sur les lieux des casques bleus et qui ont vu de leurs propres yeux les conséquences de la bataille de deux jours. Ivanov passa un long moment à ajuster son casque sur sa tête, qui reposait déjà parfaitement sur lui. Puis il dit durement Des centaines de personnes ont été tuées. Le compte va jusqu'aux dizaines. Parmi les défenseurs de Tskin Valley, les casques bleus russes étaient les plus démoralisés. La panique s'est rapidement installée. Même le soir du 10, alors que les unités avancées de la 58e armée étaient déjà à Tskin Valley, les casques bleus avaient l'impression d'être toujours encerclés et d'être bientôt détruits. Le gros capitaine, qui se présente simplement comme Zora, emballé dans un gilet pare-balles et un casque, malgré la canonnade qui s'était éteinte depuis longtemps, est venu vers moi la nuit et m'a demandé nerveusement. Quels sont vos projets pour demain Je ne sais pas. On dirait que tout est fini à Tskin Valley. Je pense qu'on peut sortir d'ici demain. Si vous avez de la place dans la voiture, emmenez-moi avec vous, hein Nous nous sommes regardés, et, incapables de le supporter, Zora a explosé de façon hystérique. Oui, je préfère servir pour la désertion. Rien ne s'arrête ici. Regardez autour de vous, tous les officiers supérieurs ont fui. Nous sommes des casques bleus, pas une unité de combat. Quand tout a commencé, nous étions censés être sortis d'ici, il n'y avait déjà personne à réconcilier. Mais Kulakmetov n'a pas donné l'ordre de partir. Regardez-le, il va tout nous mettre ici. Et puis il se met une balle dans la tête. En effet, il y avait quelque chose chez le commandant des forces de maintien de la paix d'Ossétie du Sud, Marakul Akmetov, qui l'inquiétait. Mince, avec une tête rasée, ressemblant à Kludov de Courir de Bulgakov, tous ces jours, il était assis en service au quartier général et avec un calme désespéré sur son visage, parlait à tout le monde de manière si égale, comme si rien d'extraordinaire ne se passait autour de lui et il était tout simplement très ennuyé par la vie. Il n'est jamais descendu dans le bunker. Je n'ai jamais regardé une seule fois dans la direction d'où venait la canonnade. On aurait dit qu'il se fichait vraiment d'être tué ou non. Il semblait que Kulakmetov connaissait des secrets inconnus d'aucun des autres officiers, mais il vaudrait mieux qu'ils ne connaissent pas ces secrets, car une personne avec un tel visage ne peut avoir qu'une seule information, pensez-vous que tout va mal Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Le 10 au matin, alors que les tirs se poursuivent aux abords de la ville, ils chassent le personnel pour nettoyer le territoire. L'ordre a causé à Zora une autre attaque de peur furieuse. Nous sommes là. Voyez-vous, nous balayons des fragments d'obus de la cour. Les autorités vont arriver, Kulakmetov a tout sous contrôle, tout est calme. Mais en fait, il n'y a personne pour intervenir dans notre garde. Les officiers s'enfuient, sous n'importe quel prétexte, ils sautent à Java et personne ne revient. Deuxième jour de la guerre, soir. Quartier général du maintien de la paix. Les casques bleus étaient dans cet état au moment où même pour moi, un homme non-militaire, c'était clair, les nôtres avaient gagné. Et la veille, lorsque les combats se sont poursuivis pour la deuxième journée consécutive, mais que l'armée russe n'est jamais entrée dans la ville et que tout le monde a compris que le troisième assaut ne pouvait pas être repoussé, l'État était, en général, complètement foutu. Les casques bleus parlaient entre eux. Entendez-vous le silence Les Géorgiens se regroupent. La nuit, ils n'iront probablement pas, mais le lendemain matin, nous avons tout fini. L'un des journalistes demanda, confus. Ce qui se produit les Géorgiens ont-ils gagné Ils ne lui ont pas répondu. Des collègues ont affirmé que le général Kulakmetov avait entamé des négociations avec les Géorgiens sur un couloir humanitaire pour les journalistes. À ce moment-là, il ne restait plus qu'une dizaine d'entre eux le gros profita du calme matinal et évacua vers Java. Zenia Podubni, avec TVC à la tête d'une délégation de journalistes, s'est rendu chez le général pour connaître les détails. L'imperturbable Kulakmetov a assuré que s'il y avait ceux qui voulaient partir, il donnerait deux camions Kamaz à 23 heures. Peut-être vaut-il mieux faire sortir les réfugiés des caves. Zenia a fait preuve de conscience civique. Premièrement, il n'y a que deux camions Kamaz et nous ne les emporterons pas tous. Et deuxièmement, je n'ai pas de gens pour courir dans les sous-sols et avertir les réfugiés, a objecté le général. Ce n'était pas un manque de personnes, mais le fait que Kulakmetov comprenait qu'aucun de ses subordonnés, sur ses ordres, ne quitterait les abris antibombes du quartier général de la ville. Là-bas, dans la ville, des obus explosent, l'artillerie géorgienne travaille depuis les montagnes et des tireurs d'élite géorgiens bien dirigés sont assis à chaque coin de rue. L'affaire s'est terminée avec des journalistes faisant le tour des caves. Je suis allé chez Inal Bibilov, mais je ne l'ai pas trouvé lui-même, sans attendre les camions Kamas de Kulakme, il avait déjà emmené ses voisins à Tzava. Il a alerté les autres, vers 23h. Tirez-vous vers le quartier général des forces de maintien de la paix, peut-être qu'ils vous feront sortir. Peu de gens sont venus, personne ne voulait parcourir la ville la nuit. Ceux qui ne sont allés nulle part se sont avérés avoir raison, Kamaz n'a pas eu le temps de se préparer et Kulakmetov a reporté l'évacuation le matin. Matin du troisième jour de la guerre. Route de contournement de Zar. Ce jour-là, j'ai moi-même vu comment les agents de maintien de la paix se sont précipités dans les camions préparés pour l'exportation des réfugiés de Tskinvali vers la paisible Java. Tout le monde voulait être tête de colonne ou de voiture. Kulakmetov a forcé les volontaires à rester quand même et a envoyé un lieutenant-colonel sportif et calmement silencieux avec une colonne, qui n'a pas montré beaucoup de désir de monter dans la voiture. Dans l'hystérie de Zorina se trouvait la vérité de la vie. Néanmoins, le froid comme Kulakmetov évoquait la sympathie et même le respect. Et Zora, avec son Je préférerais purger une peine de désertion, ne faisait que dégoûter la sympathie. C'est comme s'il vous avait avoué qu'il avait la syphilis. Et il s'est précipité vers le camion avec des réfugiés en vain, il n'y avait plus de combat dans la ville, mais le lieutenant-colonel, qui dirigeait l'exportation des réfugiés, avait du mal. Il a rassemblé des gens autour des villages aux sept environnants et les a emmenés le long de la route, qui était toujours sous le feu de l'artillerie géorgienne. Les camions se faufilaient entre les entonnoirs. Les soldats ont jeté les paysans au 7 dans un grand corps comme des sacs de farine. Le lieutenant-colonel avait un visage absolument de pierre et il était impossible de comprendre s'il était dans une stupeur de peur ou juste un vrai connard. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent un endroit sur qu'un sourire heureux se dessina à travers la couche de poussière d'un centimètre sur son visage. Il a commencé à ressembler à un garçon gentil et espiègle, seulement est devenu gris quelque chose trop tôt. Puis j'ai oublié de demander son nom. J'ai dû le savoir après la guerre. Il serait en quelque sorte injuste de laisser un officier anonyme qui avait l'air très décent dans le contexte général de la paix. Le nom du lieutenant-colonel est Alexander Trudnikov, deux mois avant la guerre. Israël. Le chef du corps de maintien de la paix, Marakul Akhmetov, a déclaré que la partie géorgienne se préparait à la guerre depuis le tout début de 2008. Il l'a répété plusieurs fois, et pourtant, l'armée russe a raté le début de la guerre. Au moment où Anatoly Barankovitch se précipite dans les rues de Tskin Valley avec son lance-grenade à main, la 58e armée russe vient de commencer à transférer des unités vers l'Ossétie du Sud. Ses forces principales étaient derrière le tunnel de Rocky. Et dès que le mouvement a commencé, c'est devenu clair, cette marche forcée ne serait pas rapide. Le long des routes, il y avait d'innombrables équipements militaires qui cassaient constamment quelque chose. Il y avait des dizaines de fois plus de chars debout sur la touche, dans les moteurs desquels les mécaniciens creusaient avec acharnement que ceux qui étaient encore en mouvement. La seule unité russe qui est entrée rapidement, dès le premier jour, sur le territoire de l'Ossétie du Sud était la 19e division de fusiliers motorisés. Plusieurs de ces régiments passèrent le tunnel de Rocky, traversèrent le gros village de Java et prirent position sur les hauteurs le long de la route de contournement de Zar. La division était équipée de soldats conscrits. En termes de nombre et d'équipement avec du matériel militaire, il était bien sûr inférieur à la force de frappe géorgienne qui s'était empilée sur la capitale sud-Ossète. Mais sa tâche principale n'était pas d'aider la ville à siéger, mais simplement de bloquer les accès au tunnel de Rocky lui-même. Le GRU a officieusement affirmé que le commandement géorgien avait commis une grave erreur de calcul en se concentrant sur l'assaut contre Tskinval. Il serait beaucoup plus important de percer jusqu'au tunnel de Rocky. Ensuite, les unités de la 58e armée seraient bloquées et la Géorgie obligerait l'ennemi à transférer des véhicules blindés le long de l'ancienne route militaire géorgienne. Cela aurait gagné quelques jours. Pendant ce temps, L'Ossétie du Sud aurait été prise sous contrôle total, elle n'avait pas ses propres forces pour une résistance adéquate. Cependant, l'effet politique de la prise de Tskinval semblait aux dirigeants géorgiens plus tentant qu'une tactique militaire ennuyeuse. Le commandement géorgien n'a réalisé l'erreur que le 9 août. Puis, après avoir affaibli l'assaut sur Tskinvalli, il a tenté de contourner la ville et de percer au nord jusqu'au tunnel. Cependant, la journée perdue a permis à la 19e division de prendre pied. Les attaques géorgiennes ont été repoussées. Les unités d'artillerie avancées de la division tentèrent même de maintenir la défense de Tskin Valley et se livrèrent à des duels d'artillerie avec les batteries géorgiennes qui chevauchaient les hauteurs autour de la ville. Certes, pas pour longtemps, en marge de l'état-major du maintien de la paix, des officiers ont dit à voix basse que nos batteries de mortier et la division Grade avaient été complètement détruites. Néanmoins, au deuxième jour de la guerre, l'avant-garde de la 58e armée, bien que complètement battue, remplit sa tâche. L'armée géorgienne n'a jamais atteint le tunnel. Comment il est arrivé que le commandement géorgien ait fait une telle erreur, je pense, restera un mystère pour toujours. On ne peut que spéculer qu'en mai, lors des consultations de Saakashvili avec la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, il aurait pu recevoir l'assurance que les Russes n'interféreraient pas. Le dirigeant géorgien a peut-être présenté la guerre imminente avec les séparatistes sud-ocèdes comme une petite opération policière punitive. On tirera un peu, on arrêtera quelqu'un. On chassera les casques bleus russes, on sera d'accord avec le reste. Et Rice a promis d'aider. Avant la guerre de Géorgie, l'opinion selon laquelle il était possible de s'entendre avec les Ossètes dans le bon sens était généralement un lieu commun. En juillet, je suis allé à Tbilissi pour préparer un article sur la diplomatie russo-géorgienne. Tous ceux que j'ai rencontrés ont unanimement assuré que la situation en Abkhazie est compliquée. Il y a un conflit avec une longue histoire et il ne peut pas être résolu d'un seul coup. Mais l'Ossétie du Sud est une toute autre affaire. Le premier vice-ministre des Affaires étrangères Grigol Vachadz et l'opposant Georgi Kindrava, qui occupait dans le passé le poste de ministre géorgien des conflits et s'est spécialisé dans les problèmes de l'Ossétie du Sud, m'en ont parlé. En Ossétie, ont-ils dit, il n'y a pas de famille qui ne se marierait pas avec les Géorgiens à un moment donné. Nous avons beaucoup de liens culturels, économiques et domestiques. Eh bien, il y a eu des excès au début des années 1990. Pour qu'on vive toujours sur les griefs passés. Sans la présence russe, tout le monde aurait clos ce conflit depuis longtemps. Des rumeurs circulaient alors à Moscou selon lesquelles un projet était en préparation pour remettre l'Ossétie du Sud sous l'aile de Sakasvili en échange de son consentement au transfert de l'Abkhazie sous protectorat russe. Ainsi, lorsque le bombardement de Tskhinvali a commencé au lieu d'une opération de police, cela aurait pu être une surprise pour Moscou et Washington. Mais pour Israël, qui a joué un rôle clé dans la préparation de cette guerre. Cela n'a pas été une surprise. L'échange de faveurs militaires mutuelles est allé si loin que Tbilissi et Tel Aviv ont même conclu un accord secret en vertu duquel les autorités géorgiennes ont mis deux de leurs aérodromes à la disposition des militaires israéliens, qui se préparent à une guerre avec l'Iran. Des avions de chasse israéliens devaient y être basés, qui devaient frapper les installations nucléaires de la République islamique. Cependant, l'aide israélienne à la Géorgie a été soigneusement camouflée. Elle n'était pas censée gâcher les relations entre Moscou et Tel Aviv. Cette relation ressemble aujourd'hui à une lune de miel. Alors que des experts militaires israéliens préparaient la Géorgie à la guerre, des diplomates russes préparaient un accord sur l'entrée sans visa en Israël. Par conséquent, les conseillers militaires israéliens n'ont pas agi ouvertement, mais sous le toit d'entreprises privées. Par leur intermédiaire, des cargaisons militaires ont été envoyées à Tbilissi. De plus, la fourniture d'armes israéliennes à la Géorgie n'a pas été suspendue même à un moment où les hostilités battaient déjà leur plein. Troisième jour de la guerre. Tskin valley Pendant les deux premiers jours, personne n'aurait entrepris de prédire l'issue de la guerre. Les Géorgiens ont remporté des batailles aériennes, des duels d'artillerie aussi, leur logistique a également nettement dépassé celle des Russes. La 58e armée est coincée à 10 km de Tzava, et près de Tskinvali, seules les forces spéciales tchétchènes du bataillon Vostok combattent près de Tskin valley et un bataillon de parachutistes russes qui vient à leur aide. Au quartier général du maintien de la paix, il s'appelait BTG, groupe tactique du bataillon. BTG a trempé des artilleurs géorgiens. Ils ont creusé dans les montagnes entourant Tskin valley et n'ont pas permis aux colonnes russes de s'approcher de la ville, les gardant à une distance respectueuse. Dans la nuit du 8 au 9, les BTG passent derrière leur ligne et organisent le lendemain un massacre uniforme sur les positions. Le commandant du « Vostok » Sulim Yamadayev a déclaré. « Nous avons délibérément donné des fuites sur les ondes, faites savoir aux géorgiens que nous sommes venus. Ils avaient peur de nous et se retiraient parfois immédiatement, sans combattre. Pourtant, les Tchétchènes ont une certaine réputation. Yamadaïev fait irruption dans un sourire bon enfant d'un cannibale bien nourri. Cette nuit-là, ces combattants ont travaillé si dur dans les montagnes que le matin, la route de Tsar était complètement dégagée. Là-dessus, au petit matin, des unités de la 58e armée ont pu entrer à Tskin Valley. Et puis tout était déjà une question de technologie. En quelques heures, le rapport de force a changé de la manière la plus drastique. Les formations militaires géorgiennes ont été coupées en deux parties. Des brigades d'infanterie, testées en Irak, ont été encerclées et bloquées dans la zone des villages géorgiens, s'étendant le long de la route transcaucasienne. Les unités les plus prêtes au combat ne pouvaient plus participer aux batailles. Et seuls les réservistes mal formés sont restés en première ligne. Ils n'ont pas pu supporter la confrontation avec l'armée russe et ont fui. Les rues de Tskin Valley étaient remplies de lourds véhicules blindés russes. Un balayage des tireurs d'élite et des observateurs de feu restant dans la ville a commencé. Des montagnes venaient le bruit de la bataille. Le soir, de joyeux officiers du service de presse du ministère de la Défense avec des étoiles de colonel sur leurs épaules se sont relevés. Maintenant, ils ont aidé les gens de la télévision à composer les nouvelles. La ville est prise sous contrôle par des parties de l'armée russe. Et ce n'est que maintenant qu'il faut évaluer l'ampleur des pertes parmi la population civile qui a survécu. MMM, un mot fort s'impose ici MMM, agression Oui. Tempête. Survivre à la tempête de la ville. Les forces spéciales géorgiennes sont actuellement bloquées en hauteur dans les montagnes près du village de Tamarochini. Les gens de la télévision ont écrit avec diligence sous la dictée des militaires et sont immédiatement passés à l'antenne, répétant après eux mot pour mot. Le soir, la ville était vraiment sûre. Le signe principal de cette sécurité était les généraux d'état-major en pantalon repassés à rayures et casquettes géantes. Maintenant, ils marchaient calmement parmi les militaires camouflés. Il n'y avait donc vraiment rien à craindre. Tard dans la nuit, l'omniprésent bataillon Vostok est descendu des montagnes de Tskin Valley. Ce sont ces forces qui ont en fait bloqué les forces spéciales géorgiennes dans les montagnes. Deux officiers géorgiens morts gisaient sur l'armure du BTR capturé. En fait, on croyait que le commandant du bataillon, Sulim Yamadaev, figurait sur la liste fédérale des personnes recherchées. Cependant, ne se cachant pas du tout, il expliqua volontiers. Ils ont tiré sur ces gens et les ont emmenés avec eux au cas où nous serions tués. Puis on change de corps. les Yamodaïtes ont traité les forces spéciales géorgiennes avec douceur, ils les ont laissés partir. Ils semblent avoir pris des otages. Ils ont exigé un couloir de sortie. Bon, on s'est un peu disputé, Certains pensaient qu'ils n'étaient pas du tout des otages, mais eux-mêmes s'étaient changés en civils. Mais alors ils ont décidé, et si Ils leur ont donné un couloir loin du péché. Yamadaïef, à Kimbo, raconte aux journalistes comment c'était vraiment. Il sourit et distribue des cigarettes qui manquent à Skin Valley. Sur sa poitrine se trouve une iconostase composée de blocs d'ordre et l'étoile du héros de Russie. Il est visiblement satisfait. Ce sont ces combattants qui ont joué un rôle clé dans la défense de Tskinvali puis ont dégagé le passage pour la 58e armée. Ils montrent volontiers la montre offerte par Poutine et le prix nominal Makarov. Les journalistes ne s'intéressent pas tant aux aventures dans les montagnes qu'aux subtilités de sa relation avec le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Sulim, comment t'es-tu retrouvé ici Vous devriez être arrêté, vous êtes recherché. Yamadaïev est en colère, mais il garde sa marque il rit en réponse. Lequel arrêté je ne me cache de personne. Tout le monde comprend que Kadirov a fait taire ses procureurs de poche, et eux, comme moi, m'ont mis sur la liste des personnes recherchées. Et j'étais à l'hôpital de Moscou jusqu'au 8 août, et tout le monde savait où j'étais. S'ils le jugeaient nécessaire, ils viendraient me détenir. Mais ils sont venus me voir et m'ont dit Sulim, la guerre a commencé. Allez-vous battre pour la Russie Et je suis venu Écoute, Sulim, qu'est-ce que tu vas faire demain Je suis intéressé. Demain, nous avons une opération spéciale, Yamadayev sourit avec une fausse soif de sang, nous allons. Tournant la tête, Vakhtang n'est pas là. Nous allons baiser les géorgiens. Vakhtang est géorgien, mais sert dans l'Est, Tchétchène. Les Tchétchènes ont changé son nom à leur manière, Vaka. Il y a aussi quelques géorgiens parmi les Yamadayev. Le commandant lui-même en parle avec fierté. Nous sommes internationaux ici. Pour lui leur présence enlève en quelque sorte la saveur ethnique de cette guerre. Il semble ne plus mener ses aigles tchétchènes vers le géorgien. Il ne fait que suivre les ordres, car il est le commandant des forces spéciales russes et des soldats de diverses nationalités servent sous ses ordres. Presque comme à l'époque soviétique, Vakhtan Tsulima prend en charge. Il n'y a pas de mauvaise nation, n'est-ce pas, commandant Qui est un connard, on le baise. Bien plus tard, il m'a même parlé un peu dans l'armée depuis 1987. Puis il est entré à l'Institut des traducteurs militaires de Moscou et n'a pas changé de serment depuis. C'est pourquoi je suis ici, pas de l'autre côté. WI Yakong, il a obtenu son diplôme d'arabisant. Mais dans ce cas, sa langue maternelle s'est avérée utile, dans le bataillon, Vakhtang a repris les fonctions d'interprète. C'est un mec classique, mélangé avec des clips de rechange de Stechkin, son sac Polochon contient des t-shirts frais, des chaussettes, du déodorant. Il porte un camouflage autant bien ajusté, et le même déchargement autant, assis sur lui comme un gant. Sur les mains se trouvent des mitaines en cuir de marque. Apparemment, dans les fringantes années 90, il avait beaucoup de mercenaires en Afrique. Mais quand le travail se présente à moi à la maison, je suis toujours un officier russe. Il rit. Malgré toute sa folie, Vakhtang est un skabak courageux inconditionnel. Il m'a semblé que ce qu'il était pour le traducteur, alors sa place était au siège. Il s'est avéré que non. L'interprète, comme ils me l'ont expliqué, devrait aller tout au bord du groupe d'assaut. Là, il pourra interroger rapidement les prisonniers. En marge du groupe d'assaut, VKT Eng est allé avec les mêmes parades avec lesquelles il a fait tout le reste, avec une paresse délibérée en disant Si seulement pas en monter. J'ai les deux jambes cousues. Quatrième jour de guerre. Matin. Tskinvali. Pour de nombreux journalistes, les Tchétchènes étaient le seul moyen d'accéder au front après le 10 août. Des officiers ordinaires de l'armée, ayant entendu parler du désir d'aller vers le sud avec leur unité, vous ont regardé comme si vous étiez fou. Va te faire foutre, tu devrais y aller, pas en Géorgie. Ils pourraient t'envoyer poliment. Je ne le prendrai que s'il y a une commande d'en haut. Il y avait aussi d'autres options. Du Starlet, qui était deux fois plus jeune que moi, j'ai entendu. Fils. Ils te tueront là-bas et ensuite je regarderai ta mère dans les yeux. Mais à l'est, ils ont résolu le problème simplement. Allons-y si tu n'as pas peur. Seulement si tout à coup les grands patrons vous voient avec nous, dites que personne ne l'a permis. Toi, dis-tu, toi-même. Pour le moment, Yamadayev m'a dit de me cacher dans son minibus d'état-major. Comment l'imagine-t-il Pensais-je en montant. Un étranger dans une voiture d'état-major, qui l'a permis Personne. On ne sait pas d'où il vient. Les Tchétchènes traitaient les journalistes avec condescendance, mais avec bienveillance. Le frère de « Cuba », l'enseigne Rasul Bemuradov, indicatif d'appel, saboteur, un énorme gaillard, à l'apparence d'un voyou cinématographique, ayant appris que j'allais partir avec eux, a immédiatement commencé à taquiner. Êtes « Êtes-vous d'un magazine Bon travail. Vous travaillez probablement à Murzilka, n'est-ce pas D'accord. Ne pas froncer les sourcils. Je suis une personne simple, je ne connais pas d'autres magazines. Il ne faut pas être si léger, il faudra dormir par terre, et il fait froid la nuit. Eh bien, rien, les gars vont donner quelque chose de chaud. En fait, les Yamadayev ont organisé une tournée de presse spontanée pour une demi-douzaine de personnes souhaitant visiter la Géorgie. Il était possible de tomber sur leur queue, pas même par l'intermédiaire du commandant, mais simplement en demandant des compagnons de voyage aux forces spéciales ordinaires. Ceux-ci n'ont généralement pas jugé nécessaire de coordonner au moins quelque chose avec les autorités du bataillon. Montez jusqu'à nous sur l'armure. Allons au milieu pour que les yeux des généraux ne soient pas une horreur avec votre t-shirt. So. Et une fille pleine de vie avec un appareil photo et un haut fortement décolleté se cache derrière les hommes barbus. Et les grands patrons n'avaient naturellement aucune question à ce sujet. Il a généralement essayé de rester à l'écart des Tchétchènes. Le commandant en chef des forces terrestres, Boldirev, s'est éloigné des Yamadayev qui sont venus à son quartier général pour recevoir la tâche. Et pourquoi leurs lance-grenades sont-ils chargées Qu'ils fassent mieux de s'éloigner. Encore, toujours plus loin. Même dans un cauchemar, le général russe n'aurait pas pu penser à vérifier qui était assis là avec les Tchétchènes sur l'armure. Quatrième jour de guerre. Frontière géorgienne. Le matin du 11 août, Vostok reçut l'ordre d'avancer vers la frontière géorgienne. Avec lui dans la colonne se trouvait le 693e Régiment de Fusiliers Motorisés et le Régiment Aéroporté. Les Tchétchènes se sont assis sur des véhicules blindés capturés, sur lesquels ils ont peint à la craie, Vostok, Tchétchénie, Yamadaïevtsi. Ils ont salué les journalistes qui se sont précipités pour photographier l'armée colorée dans le style macnoviste avec un index levé, à la étain. En chemin, nous assistons avec intérêt à une véritable bataille aérienne. L'avion d'attaque Su-25, dans des virages vertigineux, a tenté de s'éloigner d'une roquette tirée du sol. La fusée, comme un lévrier assis sur la queue d'un renard, s'est retournée et a poussé l'avion plus loin, visant les buses. Au final, la fusée a rattrapé sa victime. Le pilote s'est éjecté. Les Yamadayev se disputaient pour savoir à qui appartenait cette Suchka, la nôtre ou la géorgienne. Sulim est intervenu. Transmis à la radio, géorgien. Après avoir soutenu une pause théâtrale, le commandant du bataillon a ajouté. Bien qu'est-ce qu'elle est, au qu oh diable le géorgien Le missile est venu du côté de Gori, et les géorgiens sont bombardés depuis deux jours déjà. Ils n'ont nulle part où décoller. L'un de ses combattants soupira théâtralement et résuma le politiquement correct. Eh bien, si c'est le cas, alors c'est dommage pour Sushka. Cela s'est avéré contre nature et donc drôle. Les combattants de l'Est sont à 100% des gens de guerre. C'est depuis longtemps devenu une valeur indépendante pour eux. Ces gens ont été sincèrement emportés par la beauté de la bataille, quand, la tête haute, ils ont regardé des pirouettes aériennes, mais les sentiments patriotiques des Vostokovites n'ont pas été touchés. Trop et trop souvent, ils tuaient les autres et mouraient eux-mêmes. La colonne est passée à la frontière géorgienne sans rencontrer de résistance. Les réservistes ont fui, la seule bataille sérieuse a eu lieu dans le village frontalier appelé Kvemokviti ou Zemonikosi. Les chars du 693e Régiment ont traversé le village sans reconnaissance se sont heurtés à des tirs venant en sens inverse et ont perdu deux véhicules avec leurs équipages. Les chars ont reculé vers la périphérie. Des colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus du village. Neuf personnes du groupe de débarquement se sont immédiatement couchées quelque part à proximité. Et sans reconnaissance, ils ont mis le nez dans le village uniquement parce que personne ne comprenait, l'Ossétie du Sud est terminée depuis longtemps et la colonne traverse déjà la Géorgie. Le commandant intelligent de la compagnie Vedanskaya, Cuba, a commenté la situation avec une anecdote de la catégorie des descents. Deux grands-mères sont assises sur le monticule et bavardent. Regarde, Nikitishna, les généraux arrivent. Oh, oui, ils ont des cartes en main. Eh bien, ils vont maintenant demander de montrer où ils se trouvent. Allons aider l'armée. Je ne sais toujours pas exactement comment s'appelait le village où, forçant les Géorgiens à la paix, tant de nos soldats ont été tués. Vous comprenez? M'a dit un commando Tchétchène un mois plus tard, déjà à Moscou. L'ordre de franchir la frontière géorgienne n'avait pas encore été reçu à ce moment-là. Il s'est avéré que la colonne est allée sans équipe, puis il y a eu des pertes. Par conséquent, ils ont signalé à l'étage que nous étions coincés dans le village de Kvemokviti. C'est juste qu'il se trouve à la frontière même, et le village de Zemo Nikosi, dans lequel nous nous sommes en fait retrouvés, est situé à 6 km plus à l'intérieur du territoire géorgien. Cependant, qui alors s'intéressait au nom de ce village Comme cela n'a pas fonctionné tout de suite, il fallait maintenant que quelqu'un s'occupe de ce village pas immédiatement. Qui sera envoyé Est-ce que tout le monde était intéressé Vostok a été envoyé en avant. Leur tentative de percée ressemblait à des images d'un blockbuster américain. Les combattants se sont enfoncés profondément dans le village en de courts tirets, se couvrant les uns les autres. Soudain, du côté géorgien, des pentes des montagnes, le bombardement des rues a commencé. Ils se sont battus juste là où les Yamadaïvites ont fait leur chemin. Tir direct d'obusiers automoteurs lourds de 152 mm. Ensuite, des mortiers de 120 mm se sont joints à Eusé, quelque part dans le village même, le Shilka a été lancé. Les obus se côtoient, 30 à 50 mètres à droite ou à gauche. Les Tchétchènes ne se sont pas arrêtés de toute façon. Nacré en avant, comme envoûtés par la mort. Une autre volée a retenti sur les pentes, les soldats ont compté jusqu'à 5. Et au compte de cinq, ils se sont jetés à terre, essayant de deviner que le côté était couvert par le mur de pierre de la maison. Juste à ce moment, le projectile a volé. Explosion. Le sifflement des fragments perçant les clôtures en planches. Une grêle de gravats tombe d'en haut. Une autre équipe, en avant. Tout le monde se lève et, se couvrant les uns les autres, avançait plus loin dans la rue. Jusqu'à ce qu'une nouvelle salve retentisse de la pente. Un, deux, trois, quatre, cinq, les commandos comptent sur la course et tout se répète. Les obus se rapprochent. Je m'appuie contre le mur entre les fenêtres. Bac, le verre s'effrite à mes pieds. La parole géorgienne est entendue par des fenêtres brisées. Soldat, j'ai regretté d'avoir un appareil photo entre les mains, et non une kalachnikov. Je recule en prévision d'une file d'attente depuis la fenêtre. Qui diable m'a amené dans ces galères Non, des voix de femmes. Je me desserre. Carrefour devant. Je ressens soudain un coup de poing dans mon côté. Je me retourne, Vakhtang, fils de pute. Avec un demi-sourire malicieux et mélancolique déplacé, il dessine. Courez, mon frère. C'est là que tout est filmé, nous avons atteint nos réservoirs en feu. Derrière eux se trouvent les Géorgiens. Les projectiles atterrissent très près. Le conseiller chargé de l'opération, détaché auprès du bataillon des forces spéciales du GRU, crie aux soldats. Quelque part à proximité se trouve un guetteur d'incendie. Il nous conduit. Besoin de trouver. Quel est le vrai nom de ce conseiller Personne ne le sait. Il ne se présente aux journalistes que par son indicatif d'appel. Snow, Gunner se retrouve à une centaine de mètres dans l'un des chantiers. Il tue sur place. L'équipement de navigation sophistiqué, qui était avec lui, est emporté avec lui. Il y a deux autres Géorgiens avec des ATGM à proximité. Ils ont brûlé nos chars ils sont aussi en place en chemin nous rencontrons deux autres réservistes géorgiens ils sont habillés en civil mais il y a des plaques d'identité de soldats autour du cou dans la poche d'une grenade tous deux sont faits prisonniers dans l'une des cours ils ont trouvé un homme blessé d'une cinquantaine d'années la balle qui l'a touché la nôtre ou la géorgienne n'est pas claire au début ils pensaient qu'il était aussi un réserviste ils ont déchiré le col de sa chemise mais il n'avait pas de plaques d'identité autour du cou une minute plus tard, une femme est sortie en courant de la maison et a crié en russe. Ce n'est pas un soldat, c'est mon mari. Un vieil homme est sorti après elle, disant que le père de l'homme qui avait été abattu. Tout le monde est conduit dans la maison. Peut-être qu'ils sont aussi des soldats. Le vieil homme est en quelque sorte douloureusement plus jeune, et la femme agit simplement comme un héros, protégeant les soldats. Regarde ses mains. Regardez, quelle saleté sous les ongles. C'est un agriculteur collectif, il bêchait dans le jardin le matin. Qu'est-ce que c'est que les mains Là, regarde, il y a une mouche à la porte. C'est ma braguette. Tu as dit de l'emporter avec toi. Le grand-père géorgien monte dans le placard, sort la médaille, 30 ans de service impeccable dans le MOOC du GSSR. Personne ne sait ce qu'est le MOOC, et le GSSR est la République socialiste soviétique de Géorgie, a expliqué Vakhtang aux personnes présentes. Il considère. La RSS de Géorgie s'est terminée il y a 17 ans. Si grand-père est allé servir immédiatement après l'armée et qu'au moment de l'effondrement de l'Union, il avait servi 30 ans, il a maintenant moins de 70 ans. À moins, bien sûr, que ce soit sa médaille. D'accord, grand-père, j'ai convaincu. Le blessé a été bandé à la hâte, le trou traversant dans l'épaule a été rempli de chacha trouvés dans la maison et libéré avec son père et sa femme, indiquant la meilleure façon de sortir de la zone de bombardement. Puis ça a vraiment mal tourné. Notre artillerie s'est jointe. Ils ont les coordonnées des positions géorgiennes dans le village, et ils ont finalement tiré. Nos artilleurs ne savent pas que les combattants du Vostok ont déjà pris ces positions et sont maintenant exactement dessus. Ils ont frappé droit sur nous. Ils ont battu encore plus précisément que les géorgiens. Lorsque les obus ont commencé à tomber dans la rue, Snow a donné l'ordre de se disperser dans les sous-sols des maisons les plus proches. Par petits groupes, tout le monde se dispersait, traînant les blessés dans des abris. Nous ne savons pas encore que nous avons essuyé des tyrannies. C'est plus tard dans la soirée, arrivé dans l'euphorie intellectuelle des chiots du fait que j'étais encore vivant et même intact, j'ai fait défiler les versets dans ma tête. L'artillerie frappe toute seule, manque, dépassement, manque, l'artillerie frappe toute seule. Cela signifie donc ce que Mezirov a écrit. Puis un lieutenant-colonel est venu à l'emplacement du Vostok, commandant la division Sauchki, si précisément battu sur le Vostok pendant une trentaine de minutes. Venu s'excuser. Il a deux Yamadayev blessés à son compte. Il ne savait pas comment les excuses finiraient. Ses lèvres tremblaient, il avait peur, qui connaît cette Tchétchène, il parle pour eux-mêmes. Yamadayev l'écoutait calmement. Eh bien oui. À la guerre, ça arrive aussi. Ne t'inquiète pas, il aime du lilas, il n'y a pas deux centièmes à cause de toi. De retour à Moscou, j'ai compris que le tirami était le prix d'une réticence sournoise à l'égard de Kwemokviti et de Zemo -Nikosi. Les artilleurs ont reçu les coordonnées réelles des positions géorgiennes à Zemonikosi, et en même temps, ils ont eux-mêmes menti à l'étage qu'ils se trouvaient à Kvemokviti. Ils voulaient cacher le passage de la frontière sans commandement. Le lieutenant-colonel s'est débattu dans le village, étant sûr que nous étions à 6 km de lui. C'est bien que dans toute hutte géorgienne il y ait toujours une vaste cave où l'on peut s'asseoir. J'ai ensuite obtenu un excellent sous-sol avec un sol en béton dans une riche maison géorgienne. En plus de moi, Trois autres forces spéciales tchétchènes se sont réfugiées ici. L'un d'eux, Ibrahim, a été blessé, son pied a été déchiré par un fragment d'obus d'obusier. Enlevez le béret. Le sang coule en un flot vigoureux sur le sol de terre. Il est bandé, les bandages se mouillent immédiatement. Ils enroulent quelques couches supplémentaires sur la jambe, tout de même, le sang s'infiltre à travers la gaze, colorant les doigts d'une pâleur mortelle avec des ongles bleus dépassant dessous le bandage avec de joyeuses taches écarlates. Ibrahim est traîné loin de l'entrée sous la protection de murs de pierre. Il est sombre, en colère et calme. Habituellement, les gens qui se coupent de manière inappropriée pendant le travail tiennent bon comme ça. Même ignorer l'aide, et se sautent sur une jambe. Immédiatement au sous-sol, les combattants découvrent des bidons de 3 litres de compote de poire. En une seconde, deux trous ont été percés dans le couvercle et la banque a fait un cercle. La compote est excellente, froide, moyennement sucrée. Ils ne donnent pas Ibrahim, disent-ils, les blessés ne doivent pas boire. Il y a une courte discussion, tous les blessés ne doivent pas boire, ou seulement ceux qui sont entrés dans l'estomac, Ibrahim préfère la deuxième option, mais Aslanbek, considéré comme l'aîné de ce groupe, met fin à la dispute. Si vous pouvez être patient, soyez patient. Après avoir étanché sa soif, l'une des forces spéciales tchétchènes a sorti un billet de 100 roubles de sa poche. La jeter avec désinvolture sur une étagère avec des canettes et à marmonner avec une expression indescriptible. Et ne laissez aucune salope dire que je pillais ici. Ibrahim éclata de rire. Sans roubles pour un bocal Oui, maintenant on a le droit de boire toute la compote dans cette maison. Les Yamadaïvites, qui ont une réputation de voyous et d'hommes sans foi ni loi, se battent en fait, en observant pratiquement les normes éthiques occidentales. Ils ont ce genre de show-off spécial, regardez comme je suis cool et noble. Les gars ont sérieusement discuté de la possibilité d'uriner dans le coin, si vous le voulez vraiment ou s'il ne faut pas chier dans l'immeuble de quelqu'un d'autre. Nous avons décidé qu'il valait mieux être patient. Aslanbek allume une cigarette et me soigne. Malgré le fait que la maison tremble à cause des pauses et que quelque chose s'effondre aux étages supérieurs, il veut discuter avec une nouvelle personne. Je suis frais. Êtes-vous journaliste Tu es sur quelle chaîne Oh, tu écris pour un magazine C'est dommage. Sinon, je voulais demander. Juste avant la guerre, un film a été diffusé à la télévision sur la façon dont les Caucasiens se sont battus pour les Russes. En effet, au tout début du mois d'août, j'ai regardé avec grand plaisir un cycle hebdomadaire de documentaires Caucasiens dans les guerres russes sur la chaîne NTV. Et le 7 exactement, à la veille même de la guerre, le deuxième de ces films a été diffusé The Wild Division. Les montagnards ont couru dans des caps flottantes, brandissant des sabres et sabrant l'ennemi pour la gloire du souverain russe. J'ai regardé l'écran d'un œil et j'ai emballé mon sac à dos, un appareil photo, deux enregistreurs vocaux, un ordinateur portable, un chargeur de téléphone portable, short, chaussettes. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que dans seulement trois jours je verrai la Wild Division d'aujourd'hui. Il s'avère Beck a également regardé ce documentaire. Eh bien, vous devez l'admettre, journaliste, cela ne peut pas être une coïncidence. D'abord, un film à ce sujet, et un jour plus tard, les Russes et les Géorgiens font signe de la main. Et nous sommes vos premiers plans. Devant tout le monde, côté russe, comme sa Wild Division. Bien sûr, les généraux savaient que la guerre était sur le point de commencer et ont spécifiquement ordonné la diffusion. Ils nous ont tellement rappelé que nous avions aussi l'habitude de nous battre pour la Russie. Ils semblaient nous remonter le moral. Pas d'accord, journaliste, hein Aslanbek a écouté toutes les objections, a grogné et a grimpé pour voir ce qui se passait dans la rue. Je n'ai pas réussi à le convaincre. En partant, Paternellement prévenu. Vous journalistes, soyez prudents ici. Ne vous détournez pas inutilement du sous-sol et n'emportez rien. Parfois, les sous-sols sont minés. J'ai perdu deux amis. Finalement, le ami s'est calmé. L'artillerie du 693e régiment a reçu de nouvelles coordonnées et a commencé à battre avec succès les batteries géorgiennes. Non pas que les géorgiens aient été complètement réprimés, mais leurs bombardements sont devenus moins denses. En fait, c'était la tâche principale de l'Est, qui, en fait, est le renseignement militaire et sa tâche consiste uniquement à simuler une attaque, en identifiant les points de tir ennemis. En tant que groupe d'assaut, le bataillon travaillait à temps partiel. C'est juste qu'il n'y avait personne d'autre, m'a dit Sneg après le combat, nous ne sommes pas vraiment conçus pour ça. Nous sommes de simples saboteurs, alors, prenez la langue, organisez une explosion à l'arrière, organisez une embuscade. Et pour ce que nous faisions ici, nous avons besoin d'un équipement standard différent, des équipements spéciaux, des sapeurs, une unité d'ingénierie. Cependant, les Yamadaevites ont fait face avec succès sans aucun équipement spécial. Nous étions toujours assis au sous-sol, tremblant d'explosion, et dans la rue, un klaxon a soudainement retenti. Une seconde plus tard, viskozzi, le chauffeur de l'état-major Barguzin de Yamadaev, est entré dans le sous-sol. Ce minibus n'a été délivré au Vostokit Katskin Valley faute de quelque chose de plus adapté. Dans sa main, Viscozzi tenait une mallette en cuir chic, absolument inappropriée ici, dans laquelle Sulim transportait la documentation du quartier général et une caisse de bataillon. Il n'a pas osé laisser une cargaison de valeur dans la voiture sans surveillance. Barguzin a été conduit ici sous le feu pour sortir les blessés. Ibrahim sauta vivement sur une jambe vers la voiture et le minibus se précipita en arrière. Six mois avant le début de la guerre. Gouderm. En général, le bataillon des forces spéciales tchétchènes, Vostok, n'est pas du tout une unité ordinaire. Ce détachement est formé de partisans tchétchènes passés du côté des fédéraux au tout début de la Seconde Guerre tchétchène. Officiellement, Vostok est affecté au 291e régiment de fusiliers motorisés de la 42e division de fusiliers motorisés. Mais en fait, c'est une unité complètement indépendante. Il travaille sur ordre du groupe des forces unies. Du quartier général du district militaire du Caucase du Nord, ou même directement de Moscou. Le commandant du bataillon, Sulim Yamodaev, était un commandant de terrain coriace il y a dix ans. Il était considéré comme le plus jeune général de brigade d'Ishkéry indépendante, entretenait de mauvaises relations avec le Wahhabite, Bazaïev et patronnait le soufi traditionnel, Ahmad Kadirov. Au cours de ces années, l'actuel président de la Tchétchénie, Kadirov Junior. considérait comme un honneur d'être photographié à côté de Yamadaïev. Le neveu de Sulim m'a montré une de ses photos sur son téléphone portable. Le futur commandant de bataillon s'est effondré de manière imposante dans la voiture et a regardé par la fenêtre baissée. Le jeune homme aux cheveux roux, futur président tchétchène, s'est modestement installé à côté de la portière de la voiture. Puis Yamadaïev est devenu un officier russe et un héros de la Russie. Et les Kadyrov dirigent la République tchétchène, un sujet de la Fédération de Russie, à tour de rôle. Et maintenant, Yamadayev est dans une confrontation difficile avec le président tchétchène Ramzan Kadyrov. La cause du conflit est considérée comme la politique de Kadyrov, tous les organismes chargés de l'application des lois en Tchétchénie devraient être contrôlés personnellement par le président. Tout d'abord, Kadyrov a créé à partir de ses partisans la police locale et deux régiments de police, Nord et Sud. Puis il a commencé à éliminer progressivement les centres de pouvoir alternatifs. Il a commencé avec le soi-disant « régiment pétrolier », le détachement spécial Highlander, spécialisé dans la protection des champs pétrolifères et des oléoducs. Highlander n'était pas subordonné aux autorités républicaines, mais à la direction du FSB pour le Caucase du Nord. Kadirov a réussi à obtenir la décision de dissoudre le régiment. Et l'ancien commandant de Highlander, Movlady Bezarov a été abattu par des policiers tchétchènes en plein Moscou. Ils ont expliqué qu'il avait ouvert une enquête pénale contre lui et qu'il voulait l'interroger, mais il a commencé à résister. Après cela, seuls deux bataillons non contrôlés par le président sont restés en Tchétchénie, Ouest, et Paix. Avec le commandant de l'Ouest, le bon Saïd Magomed Kakiev, Kadirov a eu un long conflit. Contrairement à la grande majorité des politiciens tchétchènes actuels, Kakiev n'est pas un ancien militant. C'est un Zavgaevite, c'est-à-dire que même pendant la première guerre de Tchétchénie, Khakiev n'a pas combattu pour la sécession de la Tchétchénie, mais pour l'intégrité de l'Empire russe. Dans cette guerre, il a perdu un œil, un braille, enfin, sa patrie, puisque tout s'est terminé avec la paix de Kazaviour, c'est-à-dire la victoire des séparatistes. À la fin des années 1990, il séjourne à Moscou de manière noire en buvant à l'hôtel Rossiya. Lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, il a reconquis sa patrie, ils lui ont fait un œil de verre et une main de fer. Un problème les militants d'hier sont devenus d'ardents patriotes de la Russie et des hommes d'État remarquables. Ils ont voyagé autour de Kakieva sur une chèvre tordue. Les désaccords avec Kadirov Jr. ont pris fin avec le départ du commandant de « l'Ouest » de son poste. La pilule a été édulcorée, il est devenu commissaire militaire adjoint de Tchétchénie pour l'éducation militaro-patriotique. Et au lieu de Kakiev, Beslan Elikanov, le protégé de Kadirov, a été nommé pour commander « l'Ouest ». Ainsi, le bataillon Vostok est resté le dernier des ressources de la force hors du contrôle de Kadyrov à l'intérieur de la République. Et depuis le printemps 2008, le président de la Tchétchénie a pris la chose au sérieux. Déjà après la campagne au 7 dans le bataillon, ils m'ont montré un rapport sur la situation autour du Vostok. J'ai appris en détail comment Ramzan Akhmadovich et Sulim Bekmirzaevich se sont disputés. Le président et le commandant du bataillon sont devenus ennemis à la suite d'un accident. Le 13 avril 2008, L'adjudant Eldarov et le sergent-chef Misultanov, servant dans le bataillon Vostok, revenaient du lieu de l'opération spéciale. Une Toyota Camry a percuté leur voiture Ziguli. Eldarov et Misultanov sont morts. Le Zigul roulait à 50 km à l'heure et la Toyota à 190. Mais un proche du président Tchétchène la conduisait. En relation avec cette dernière circonstance, des difficultés ont surgi pour établir le coupable. Le lendemain, les morts de l'accident ont été enterrés et le cortège funèbre de yamadaïev a longtemps rencontré les véhicules d'escorte de kadirov et n'a pas pu déterminer lequel d'entre eux devait céder dans une telle situation ils l'ont découvert en tirant en l'air je n'ai pas trouvé trois heures plus tard la caserne du bataillon vostok a été bloquée par des unités du ministère de l'intérieur de la république tchétchène les kadirovites ont commencé à attraper et à arrêter les Yamadaïvites dans tout Guderm. 142 militaires du bataillon Vostok sont tombés en distribution ce jour-là. Par ailleurs, utilisant les méthodes de la carotte et du bâton, les Kadirovites ont réussi à faire en sorte que d'avril à août, plus de 150 combattants quittent le bataillon. C'est environ un tiers. Le commandant du bataillon lui-même a été mis sur la liste des personnes recherchées par le bureau du procureur de Tchétchénie. Il a été accusé du meurtre d'Ousmane Batsaev, un riche boulanger kidnappé en 1998. Très probablement, le futur commandant du « Vostok » avait vraiment quelque chose à voir avec cette disparition, mais le bureau du procureur tchétchène a oublié qu'au début des années 2000, Yamadaïev avait été amnistié, considérant son transfert du côté russe comme un prix digne du pardon du passé. Péché capitaux. Parallèlement à tout cela, au printemps 2008, la direction du GRU a décidé d'arrêter les conversations sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une unité, mais du gang personnel de Yamadaïev. GRU est la légendaire direction principale du renseignement. C'est dans sa juridiction que se trouve le bataillon. Sous Vostok, un institut de conseillers militaires a été créé. Leur présence, d'une part, symbolise l'unité des forces spéciales tchétchènes et russes ordinaires, et d'autre part, elles apportent au bataillon le lustre de la science militaire moderne, l'organisation des communications, du renseignement, etc. Ainsi, dans le bataillon est apparu Snow. La dernière nuit de la guerre. Village d'Okenazemo-Nikosi. « Probablement aucun officier des forces spéciales n'avait une tâche plus difficile. »« Dans le bataillon Tchétchène, la logique habituelle de l'armée, je suis le patron, tuer un imbécile, ne fonctionne pas. »« Pour que vous obéissiez, ni la position ni le rang ne suffisent. »« Cela ne nécessite qu'une autorité personnelle. »« Il n'y avait qu'une seule façon pour Snake de gagner en crédibilité parmi les Tchétchènes, de n'être en aucun cas inférieur au plus cool en termes de coalitude. »« Snow passe à l'assaut au premier plan. » Pas même accroupi sous le feu venant en sens inverse. Son visage est toujours imperturbable, pas de confusion, pas de colère, pas d'amertume de combat. Je me demande combien de temps vous pouvez tenir dans les autorités de ce genre Après tout, tôt ou tard, et si tout est comme ce jour-là dans un village géorgien, alors probablement plus tôt, une balle stupide apparaîtra. La seule La principale dans la vie. En dehors de la bataille, Snow est un type épineux avec des bretelles de lieutenant-colonel. Toujours à l'affût, toujours prêt à écraser, ridiculiser, raser, montrer qu'il n'est pas un bâtard. Et en même temps, il est toujours prêt à inverser, pour ne pas amener la situation à un conflit, d'une moquerie pour passer élégamment à une explication amicale de l'essence du problème, comme s'il n'y avait pas de tension il y a une seconde. Il est constamment en équilibre, il balancera à droite, ils diront un rustre, un parvenu, un snob je rechenie. Se balancera à gauche, ils diront mort, faible. Le contre-coup de ce type est très faible. Ce soir-là, après le combat, il s'est ouvert avec moi sur des sujets professionnels. Le bataillon est une unité unique. Et par les qualités morales et volontaires des combattants, et par l'expérience du combat. Mais ce n'est pas vraiment une armée, tu sais Trop de partisanerie. Vous pouvez voir par vous-même, pas une seule jumelle avec vous. Vous devez regarder, il regarde dans l'optique d'un fusil de sniper. Cela semble peu mais significatif. J'ai une tâche comme celle de Trotsky, de la garde rouge partisane volontaire à la confection d'une armée rouge régulière. Et les techniques habituelles de l'armée sont impossibles ici. Dans l'armée, et enfoiré. Une façon normale de s'adresser à un subordonné. Et ici, vous devez simplement respecter chaque combattant. Et respect pour les vrais, et non jouer avec eux dans la politesse versaillaise. Les Tchétchènes acceptent, Snow, non pas avec hostilité, mais avec un frisson. Ils peuvent facilement épingler. Tu prends encore une allumette dans les dents, Rambo. Ils estiment que leur loyauté personnelle envers Sulim ne doit pas être remise en cause par la présence de cet inconnu envoyé, d'en haut, et en même temps, Neige l'écoute, lui obéit. Ils endurent une pause microscopique, symbolisant leur indépendance, mais ils vont toujours faire ce qu'il a ordonné. Snow pourrait le mériter. Bien que le dernier recours soit toujours Yamadayev. Et parfois, il en profite pour montrer qui est le patron de la maison. La nuit après la bataille de Zemonikosi, les commandos ont passé la nuit en terrain découvert. Snow a montré une bonne quantité de compétences diplomatiques pour mettre en place des sentinelles. D'une part, cela aurait dû ressembler à une demande polie, mais sans flatterie, d'autre part, cela aurait dû être obligatoire, comme un ordre. Les sentinelles se sont dispersées vers leur poste assigné, mais soudain une lumière s'est allumée au quartier général de Bargousine. Complètement fou. La neige a explosé. Les Géorgiens fuient Skinvali. Maintenant, ils vont sauter dans la lumière et nous réchauffer. Directement dans vos sacs de couchage, Yamadaev a décidé d'intervenir. Mais il a pris le parti des combattants. Laisse-les tranquilles. Ils savent ce qu'ils font. Ils se sont battus pas moins que vous. Ruffy Snow bâtit en retraite. Le Vostok tchétchène peut être envisagé avec des réserves. Il y a des Géorgiens là-bas. Il y a une neige russe. Il y a d'autres combattants russes, et non détachés, mais le plus qui n'est pas le leur, la chair du bataillon. Des gars très difficiles, capables non seulement de s'entendre, mais de se lier aux vétérans tchétchènes du Vostok. Pour ainsi dire, dansent avec les loups. De par leurs habitudes, les Yamadaïev ressemblent vraiment à une meute de loups. Toujours en mouvement, toujours légers, toujours armés. Pas de tente, juste un sac de couchage jeté sur l'herbe, et ils ne grimpent jamais dans ces sacs, et personne ne dort vraiment la nuit. Alors, ils discutent entre eux, au mieux ils somnolent dans un demi-œil. Pas de cuisine de campagne, le matin un tout petit feu sur deux ou trois frites, qui peuvent toutes tenir dans la paume de vos mains. Une tasse d'eau est chauffée sur un feu. Le thé n'y est presque pas infusé, ils ne l'ont pas fait bouillir. Cinq ou six personnes ont bu une gorgée d'eau tiède, mâché des biscuits, mangé une boîte de ragoût pour tout le monde, les soldats étaient rassasiés jusqu'au soir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, le barguzin est jonché de rations sèches. Seuls les loups se nourrissent d'un ventre vide. Andrei a 34 ans, au combat il travaille en tandem avec le tchétchène Ayub. Le premier indicatif d'appel est blocade, le second est goro. Blocade parce que, d'une part, il vient de Saint-Pétersbourg et d'autre part, parce qu'il est très maigre. À propos de lui-même dit... Un an au bataillon. Avant cela, il n'a pas servi dans l'armée russe. Point. Andrew est un homme sans passé. On ne peut que deviner ce qui s'est passé plus tôt dans la vie de cet homme. Prison Légion étrangère Une mission d'espionnage de plusieurs années, il se considère toujours comme un militaire sous condition. En même temps, c'est une guerre d'hommes à 100%. André y éleva le culte de la bataille pour lui-même au rang de religion. En juin, je suis allé à Samarcande, j'ai passé la nuit sur la tombe de Tamerlan. Pas là où les touristes sont emmenés, mais en bas, dans le cachot, là où il repose vraiment. Les Ouzbeks croient que celui qui reste assis là toute la nuit aura une part de la chance militaire de l'âme Cela semble n'avoir rien de spécial, mais pour une raison quelconque, les gens ne s'assoient pas là. Le gardien a dit que je n'étais que le troisième à rester jusqu'au matin. J'ai aussi attrapé un petit fragment d'une pierre tombale à partir de là. Le voici, cousu ici. Andrei sort une petite poche de sa poitrine et montre son stockage personnel de l'aiguille de cochief. Êtes-vous, neige Et moi Eh bien. Vous semblez aussi être aussi cool qu'un œuf à la coque. Collie, sur les tombes de qui a-t-il gagné le bonheur militaire Non, je ne suis pas cool, Enisno. Enfant, j'étais un gros garçon issu d'une famille de professeurs. Jusqu'en sixième, je ne pouvais pas du tout me hisser sur la barre horizontale. Et il est entré dans les forces spéciales par accident. Il a juste mélangé les portes. Nous sommes tous les trois allongés dans le noir sur le sol refroidissant. Nous fixons le ciel noir. Sans étoile à cause de la brume. Et je demande au gars comment il se fait qu'un beau jour une personne se retrouve on ne sait où, on ne sait pourquoi, et se trouve parmi les collines de Géorgie. Il se repose du fait qu'il a tué des gens pour lesquels il n'y a ni inimitié, ni haine, et rien de personnel du tout, et bientôt il se trouvera parmi d'autres collines, ou plaines, et se reposera de la même. La formule universelle d'un surhomme militaire ne correspond pas. Eh bien, vous êtes vous-même journaliste, qu'est-ce que vous foutez ici Alors mon métier c'est d'être ici. Et nous avons un métier pour être ici. Avec le « blocus » dans le « Vostok se trouve son compatriote Sacha. Le troisième Saint-Pétersbourg lui-même est « neige ». Il s'appelle en plaisantant le « trio » de Leningrad. Le trio est entré dans Zémonikosi dans le cadre du premier groupe de Yamadaïev. Voici le Vakhtang géorgien, tous les autres Tchétchènes. Yamadaïev est également ici. Probablement. Dans son enfance, il n'a pas regardé le film Chapaev et ne sait plus où devrait être le commandant. Il partit droit à l'assaut avec l'étoile du héros et ordonna des blocs sur sa poitrine. Mais Makarov a quand même laissé le prix nominal, après avoir filtré avec un tronçon de tchétchène caractéristique. Taco au pistolet. Ce serait dommage s'il me tuait et que les Géorgiens l'attrapent. Cette brigade internationale a été la dernière à quitter le village. Derrière eux, ils font sortir une colonne de chars russes bloqués aux abords du village sous le feu nourri des canons automoteurs géorgiens. Il y avait une dizaine de voitures et une cinquantaine de conscrits. Quatrième jour de guerre. Soirée. Périphérie du village de Zemonikosi. En plus des fonctions temporaires d'interprète, Vaktang était également le commandant d'un groupe distinct. Parmi ses subordonnés se trouvait un autre géorgien, Dato. Jeune, intelligent, poli. Il m'a adressé exclusivement sur vous. Une différence d'âge de 10 ans m'a définitivement rendu plus âgé, ce qui, bien sûr, ne peut pas être poussé, ne peut pas être interrompu, vous devez sauter en avant, et des trucs comme ça. À côté des Tchétchènes, qui ne comprennent généralement pas bien pourquoi il faut s'adresser à un interlocuteur comme s'il y en avait plusieurs, Dato, avec ses bonnes manières, avait l'air drôle. Dato, c'est quoi ton déchargement Que as-tu mis dedans Vous voyez, j'emporte 18 cornes avec moi. Deux fois plus qu'il ne le faudrait. Pourquoi eh bien, je suis géorgien. Et alors, savez-vous ce qui se passe lorsque vous manquez de munitions Quoi Captivité. Pouvez-vous imaginer ce qui m'arrivera si moi, un géorgien, je me retrouve en captivité des géorgiens, tout ce dato me lâche dans un russe convenable, mais avec une rapidité mingrélienne. Cela ne peut être compris qu'avec un fort désir. Cependant, je ne le comprends pas tant à l'oreille qu'à l'intestin. J'ai aussi peur de la captivité géorgienne. Bien que, d'un autre côté, je sois sûr que ma kiva journalistique, avec le mot magique américain Newsweek, qui me fait plus de mal ici, fonctionnera pour moi là-bas. Contrairement à Dato, qui se révélerait être non seulement un ennemi mais aussi un traître en captivité, je peux en quelque sorte me faire passer pour un représentant du camp allié. La captivité est vraiment quelque chose de spécial. Il a plus peur de la mort. Être capturé est considéré comme pire que de se faire arracher les jambes. Pourquoi cette peur irrationnelle Peut-être de l'époque du terrible ordre stalinien, ne vous rendez pas vivant. Peut-être de l'après-guerre derrière l'épine du goulag qui a remplacé sans trêve l'épine des camps de concentration. Ou peut-être même depuis l'époque des Thermopyles, lorsque les anciens Grecs ont abaissé 20 000 anciens perses qui se sont rendus à la merci du vainqueur. Tout soldat considère la captivité comme le pire des maux, mais seulement tant qu'il s'agit de lui-même. Dès qu'il s'agit de l'ennemi, le même combattant est persuadé que faire prisonnier est un acte d'humanisme. Tout simplement parce que l'alternative est l'exécution sur place. Dieu merci, les combattants que j'ai rencontrés, cette coupe est passée. Mais eux-mêmes ont fait prisonnier des soldats géorgiens sous mes yeux. La captivité dans une situation de combat est un coup au visage avec une crosse et une douzaine de coups de pied lourds suivis. Échec et mat en criant, Bâtard Écume Tirez sur nous Et puis la question a été posée d'une voix étonnamment calme et même quotidienne. Ou d'autres y a-t-il des géorgiens à proximité Parlez, ou, vous comprenez. Vous avez des enfants Qui les nourrira si tu décides de jouer au silence avec nous C'est exactement ce qui est arrivé à Thomas Gulachvili, un réserviste qui a couvert un guetteur d'incendie dans le village de Zemonikosi S'il avait été surpris avec lui, il aurait été abattu sans parler. Mais à un moment donné, Thomas a eu peur, s'est enfui, s'est changé en civil et a ensuite rencontré des Tchétchènes dans la rue. Je lui ai donné un insigne militaire, que Thomas, de panique, a oublié d'enlever de son cou. Il a été interrogé tour à tour en géorgien et en russe par Vakhtang et Sneg. Le prisonnier comprenait également mal les deux langues, car il était ivre. J'entends un extrait de conversation. Faisons-le tomber. Nous continuons à percer, ne traînez pas avec nous. Oui, ils ont interrogé. C'est malhonnête de l'achever maintenant, à la fin, Thomas a été ligoté avec des bandages de la trousse de premier soin et retiré du combat. En même temps, en veillant attentivement à ce qu'il ne soit pas accroché. Bientôt, un autre réserviste le rejoint. Plus tard, j'ai appris que la philanthropie était contraire à l'ordre d'en haut, ne faites pas de prisonniers. Bientôt, il a été annulé ils ont réalisé que tôt ou tard, ils devraient échanger les leurs, par exemple, les mêmes pilotes abattus. Mais à ce moment-là, les Yamadaïvites ne le savaient pas encore. Soit dit en passant, les prisonniers, dès qu'ils ont été sortis de la bataille, ont été déliés et ont reçu de l'eau à boire. Les Géorgiens ont avidement avalé l'eau trouble puisée dans le ruisseau dans une bouteille en plastique de 2 litres. Un jeune Tchétchène grommela sans malice. Il me tire dessus, et je lui apporte de l'eau. Ensuite, tous deux ont été conduits au même ruisseau pour se laver. Un pétrolier Osset qui passait par là, ayant appris que des soldats géorgiens avaient été capturés, s'est levé d'un bond et a frappé Thomas, qui était assis par terre, au visage avec sa botte. Le visage du prisonnier, Déjà entaillé par la crosse lors de la capture, à nouveau empli de sang. Les Tchétchènes ont chassé les ossettes. Que « Que as-tu Nous ne faisons pas de prisonniers. Thomas a été renvoyé du péché à l'arrière d'une voiture. Asseyez-vous, soyez sobre. Le commandant de la compagnie Kurchalov Samradi, croisant mon regard étonné, sourit avec ironie. Cet humanisme est juste. Là, au combat, ça ne compte pas. Il n'est pas clair s'il plaisantait avec moi ou s'il a dit sérieusement. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par gagner quand même. Lorsque ces deux-là ont été capturés, j'ai dû chasser l'idée agaçante que j'allais devoir assister à la façon dont les Tchétchènes se coupaient la gorge. Cinquième jour de la guerre. Matin. Route de Gori. Les réservistes capturés ont reçu un sac de couchage pour la nuit. Certes, un pour deux, mais cela signifiait que parmi les Tchétchènes, il y avait un homme gentil qui a perdu le sien au profit des Géorgiens. Des sacs de couchage de rechange, dans un tel cas, bien sûr, n'ont pas été pris. Au matin, les prisonniers, remis du choc, étaient déjà assis près du feu avec les Tchétchènes et, en commun, avec eux, ils mangeaient le ragoût d'un bocal passé autour. S'il n'y avait pas les écorchures sur leur physionomie de profil, on croirait que ce sont des bergers qui ont regardé dans la lumière. L'attitude douce des forces spéciales tchétchènes envers l'ennemi était étonnamment différente de l'atmosphère qui prévalait parmi les milices 7. Ni les Tchétchènes, ni les Russes du régiment de fusiliers motorisés des soldats géorgiens capturés n'ont été remis aux Ossètes. Pourquoi en as-tu besoin Nous allons changer pour le nôtre. Tu mens, tu les tortures. Eh bien, ne les laisse pas partir comme ça. Nous ne vous laisserons pas. Le commandant du 693e régiment, le colonel Andrei Kazachanko, s'est soudainement déchaîné et a crié avec une menace. Vous ne me laisserez pas, dites-vous Oui, j'ai personnellement libéré six réservistes comme ça. Et alors, les Vostokovites n'ont pas libéré leurs prisonniers, mais dès le premier conseil, ils les ont envoyés au quartier général du renseignement de la 58e armée. Yamadayev devait encore avoir un combat approfondi avec Vakhtang à cette occasion. Pourquoi diable les envoyons-nous là-bas Ce ne sont que des paysans. Qu'est-ce qu'ils savent grogna le Géorgien en serrant les dents. Paysans, dites-vous Sully murla en réponse, et les jetons Y a-t-il un citron dans votre poche Pensez aux jetons. Ils viennent d'être appelés. Je n'ai même pas pu le couper. Argumenta Vaktank. À la fin, les officiers se sont regardés d'un air offensé. Vers midi, une méchante rumeur est apparue. L'un des parachutistes russes a déclaré que les prisonniers n'avaient pas été capturés, et bien, les gars de la compagnie de reconnaissance les ont largués d'un hélicoptère. C'est mauvais, bien sûr, mais ce jour-là, les géorgiens les ont grondés en enfer dans les années 200. Assis au quartier général de Barguzin, j'ai regardé sombrement l'arrière de la tête de Yamadaïev et je me suis persuadé, de tels contes sanguinaires marchent toujours en guerre. C'est une telle névrose. Les gens s'allument pour supprimer leur propre peur. La persuasion était mauvaise. L'arrière-cour de la tête de Yamadaïev était indifférent et il n'était pas possible d'en comprendre ce qu'il pensait lui-même de tout cela. La séance de psychothérapie s'est terminée par un accord lugubre. Oh, Sulim, ce serait mieux si vous écoutiez Vaktang. Pensez-je, sans risquer cependant de le dire à haute voix. La première nuit d'après-guerre. Périphérie de Gori. Le prisonnier suivant a été capturé par les Tchétchènes déjà profondément en Géorgie près de Gori dans la nuit du 12 au 13. Ce n'était plus un réserviste, mais un vrai soldat sous contrat. Je viens de Poti. Je me suis enrôlé il y a quelques mois, pour 500 lari par mois, environ 250 euros. Mince, nerveux et étonnamment très fort. Il y a une légère équimos sur l'épaule droite de la crosse, ce qui signifie qu'il a participé au combat. Le gars a été pris alors qu'il se faufilait devant les Tchétchènes qui campaient. Il prétendait être derrière les siens. Je n'ai pas encore entendu parler du fait qu'il y a quelques heures, la fin de l'opération militaire a été annoncée. Naturellement, les Tchétchènes le soupçonnaient d'être un saboteur. Mais, peu importe combien ils l'ont interrogé, il a tenu bon et a seulement demandé Je vous en prie. Ne vous coupez pas la tête. Pourquoi il avait si peur de cette mort particulière, et pourquoi c'est pire, par exemple, personne n'a compris une balle dans la nuque. Mais ils ont décidé d'utiliser sa peur. Le gars a été emmené derrière la voiture, a mis un couteau sous la gorge. Je supplie, je supplie, je supplie. Pourtant, il n'a pas été possible d'obtenir des réponses claires de sa part. Écoutez, si vous avez quitté l'encerclement, pourquoi n'avez-vous pas enlevé votre uniforme de l'OTAN pourquoi ne vous êtes-vous pas habillé en civil Oui, je voulais, mais je n'ai trouvé qu'un sweatshirt rouge. Et Jean est marre de porter du rouge. Alors t'es toujours un voyou Vakhtangari, quelque chose de beaucoup, je vois, vous avez un costume noir dans votre armée. Se retourna et expliqua. Dans l'après-midi, ils ont pris une Jeep Trophée. Il y a une cassette dans le magnétophone, et dessus dans une variété de versions, Steve's Chair, en russe et en géorgien, et rapidement, et lentement, et à la manière azerbaïdjanaise. Dans la matinée, le bon gamin en tenue de camouflage a réussi à casser le fin cordon de nylon qui lui liait les mains derrière le dos et a tenté de s'enfuir. Il s'est encore fait prendre. Qu'est-ce que Sulim devrait faire de lui Yamadayev haussa les épaules. La guerre semble terminée, il se détourna et partit, laissant la décision finale à Vaktang. Le verrou claqua, enfonçant la cartouche dans le canon de la Kalachnikov. Le géorgien a été emmené dans un ravin derrière un verger, où les Yamadaïef ont campé pour un bivouac. On lui a ordonné de garder ses mains derrière sa tête, et sur ses poignets un mince sillon bleu profond était visible, laissé par un cordon de nylon déchiré. Au fond du ravin, lui-même s'arrêta et dit pour la dernière fois. « Je t'en supplie, ne te coupe pas la tête. Rentrez chez vous, à Poti, » a marmonné une escorte tchétchène costaud en réponse. Le gars n'a pas bougé. Il resta immobile, les mains jointes derrière la tête. Vakhtang traduit en géorgien. Sans attendre sa réaction, les hommes de Yamadayev jetèrent leurs mitrailleuses derrière leur dos et remontèrent lentement la pente du ravin. Yamadayev lui-même ne s'est intéressé au sort du prisonnier que deux heures plus tard. Eh bien, qu'est-ce que tu es, hein Cela a été suivi d'un geste éloquent de coup de poing avec la paume de sa main. Non, Sulim. Il semble que les combattants aient commencé à trouver des excuses. Vous avez dit vous-même qu'il n'y a plus de guerre. Plus tard à Moscou, un mois et demi après la guerre. Vactang m'expliqua. Pour de bon, le mec aurait pu être passé. Le gars n'était pas un minable fermier collectif, mais un mercenaire très spécifique. Mais je l'aimais bien. J'ai moi-même grandi dans une ancienne cour de Tbilissi, où régnaient ces années-là de tels cantos. Et puis il n'a pas menti sur la sortie de l'encerclement. Une telle absurdité sur un vêtement de sport rouge, vous ne pouvez pas l'imaginer exprès. Pendant les cinq jours de guerre, j'ai beaucoup entendu parler du terrible sort des prisonniers. Les Ossètes ont parlé de la monstrueuse férocité des Géorgiens, têtes coupées, femmes violées, enfants abattus. Soit dit en passant, les Yamadaïvites ne croyaient pas à la cruauté géorgienne et affirmaient qu'il n'y avait que des excès individuels, et même ceux-ci n'étaient pas liés non pas aux Géorgiens, mais aux mercenaires ukrainiens qui ont combattu aux côtés de Sakasvili. Mes amis géorgiens, que j'appelais quotidiennement à Tbilissi, se moquaient également de ces histoires. Non-sens. Les nôtres ne font pas ça. Mais à leur tour ils m'ont demandé un témoignage oculaire sur les atrocités tchétchènes. Je n'ai pas vu les atrocités. Il y a environ cinq ans, un général âgé du Joroche, qui dans les années 1980 commandait un régiment en Afghanistan, pas le nôtre, mais l'armée démocratique populaire afghane, m'a franchement expliqué ce qu'est un interrogatoire express dans des conditions de combat. S'il n'y a pas beaucoup de temps, tu viens de lui crever l'œil avant la première question. Et puis il répond tout. Parce qu'après cela, ils ne pensent qu'à la façon de sauver le second. Les Tchétchènes ne se sont pas arrachés les yeux pendant la bataille. Les prisonniers, bien sûr, ont été battus, mais pas par des combats mortels. Et lors des interrogatoires après la bataille, ils ne m'ont plus battu, mais seulement intimidé. Il n'a été question d'aucune humiliation. Parlant dans le langage des militants occidentaux des droits de l'homme, je n'ai pas vu d'exemple d'usage excessif de la force et de pression psychologique excessive. Et ce sont des Yamadaïvites qui ont mauvaise réputation. Bien sûr, j'ai beaucoup entendu parler de leur terrible cruauté envers les wahhabites capturés en Tchétchénie. Et même, j'ai tendance à croire que tout cela est vrai. Mais ils ont traité les géorgiens différemment. Ils disent que la captivité tchétchène et la captivité ossète sont deux grandes différences. Ils disent que les ossètes se sont vraiment moqués des géorgiens qui sont tombés entre leurs mains. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. En général je peux dire à propos de la captivité qu'elle n'est pas aussi terrible qu'elle est peinte. Et je peux aussi dire que ma peur personnelle de la captivité n'a pas du tout faibli de cette confiance. La dernière nuit de la guerre, la périphérie du village de Zemonikoshi. La nuit après la seule bataille en Géorgie, les Yamadayev ont passé un champ ouvert à la périphérie du village. Ils ont envoyé les blessés par hélicoptère à Java, où un hôpital de campagne temporaire avait déjà été installé, et ils ont ri jusqu'à l'aube. Si c'était un village tchétchène, nous n'aurions pas survécu jusqu'au matin. Les locaux auraient massacré tout le monde. Mais le village est géorgien, dormait bien. Au petit matin, l'alarme s'est déclenchée. Les tanks arrivent. Préparez-vous pour la bataille. Les chars se sont avérés être russes. Il s'est avéré que le commandant adjoint du bataillon de chars du 693e régiment, le capitaine Vadim Baranov, s'est perdu dans l'obscurité, collé à la colonne géorgienne. Qu'il a confondu avec la sienne, et a parcouru plusieurs kilomètres dans sa composition. Il n'était pas difficile de confondre le T-72 soviétique ici et là dans le noir. Pendant deux heures, Baranov s'avança dans les rangs de l'armée ennemie en retraite. Les Géorgiens l'ont également pris pour leur propre compte. En fin de compte, la colonne principale a décidé de découvrir quel type de char leur était cloué. Voyant un officier en tenue de camouflage de l'OTAN marcher vers lui, Baranov a finalement compris qui étaient ses compagnons de route. Il a donné l'ordre de pointer l'arme sur le char le plus proche, s'est penché par l'écoutille avec une mitrailleuse et a visé l'officier géorgien. Ce géorgien m'a vu et a aussi tout compris. Je me suis agenouillé, j'ai posé la mitrailleuse par terre et j'ai fait le signe de croix. Et je pense, j'aurai le temps de faire une volée, puis, dans dix minutes, je deviendrai un héros de la Russie. À titre posthume. Alors je dis à ce colonel Écoute, je n'attends tu vas à droite, je vais à gauche, et nous ne nous sommes pas vus. Cinquième jour de la guerre. Dernier. Environ de Gori. Dans la matinée, nous avons déménagé dans la ville géorgienne de Gori. Nous sommes sortis vers lui après le dîner et n'avons pas rencontré de résistance. En cours de route, ils ont commencé à discuter de qui avait quoi comme ami les Géorgiens. Je dis au commandant de compagnie Samradi que dans les années 1980, il a servi dans l'ouest de l'Ukraine avec un type formidable nommé Gia. Il était plus âgé que l'appel. Mais il ne m'a jamais giflé. Il est de gorille. On se croisera peut-être. Peut-être, acquiesce le tchétchène, a-t-il, comme vous, la quarantaine, il a dû être enrôlé dans les réservistes. Tu vois, il va falloir tout nettoyer. Qu'est-ce qu'on va faire de ton GIA si on le fait prisonnier Comme quoi Disons bonjour, embrassons-nous, parlons de l'armée. Nous allons le nourrir, lui donner à boire et l'envoyer vers Tbilissi. C'est mon ami de l'armée. Ne te baisse pas. Il vient de nous tirer dessus. Peut-être même tuer quelqu'un. Est-ce qu'on lui donne du thé Samradi a très bien imaginé la situation. Et que proposez-vous Eh bien, au moins, nous lui donnerons un coup de poing au visage. Je suis désolé frère, mais votre ami ratissera au maximum ne vous livrez pas. Alors, bien sûr, nous lâcherons prise, l'amitié militaire est sacrée. Et tu lèves la main sur mon ami Samradi éclate d'un sourire. Bon, tant pis. Laissons à GIA sans con. Mais nous ne donnerons toujours pas de thé. J'ai déjà sorti tous les sacs de Lipton. Il n'y avait pas non plus de troupes géorgiennes à Gori même. L'armée géorgienne ne se contentait plus de battre en retraite, elle s'enfuyait dans la panique. En cours de route, les Yamadaïvites ont rassemblé une belle collection d'équipements capturés abandonnés. Snow a roulé sur une belle Land Rover. Pas sur un Playboy verni, un de ceux qui labourent l'asphalte de Moscou. Mais sur une vraie légende africaine, une jeep militaire gris sale avec une roue de secours sur le capot. Regardez, le réservoir est aux trois quarts plein. Assez pour Tbilisi. Avec Samradi et ses combattants de la compagnie Kurchalois, nous partons faire l'inventaire des dépôts militaires. Les serrures sont renversées de Makarov. L'acier américain résiste obstinément aux balles russes et Samradi a tourné tout le clip. Dans ce hangar, il n'y a que des montagnes d'équipements militaires, pour la plupart usés. Les gars pris par à l'hélice que Dieu a envoyé. J'ai ramassé une paire de bottes de l'OTAN flambant neuve au lieu de presque tomber en morceaux des baskets chinoises. Les bottes se sont avérées trop petites, alors je les ai jetées. Par la suite, la presse géorgienne a accusé les tchétchènes de vol, alors qu'en fait cet entrepôt était leur seul exploit à cet égard. Sérieusement volé par d'autres. Le lendemain, des bataillons de reconnaissance incompréhensibles sont apparus, liés à on ne sait quel parti. Ils sont entrés dans la ville. Y ont traîné pendant plusieurs heures, ont quitté la ville. Ils ont eux-mêmes lancé une rumeur selon laquelle ils seraient allés prendre les archives de la branche de Gori du ministère géorgien de la Sécurité de l'État. Certes, plus tard, le bureau du procureur militaire a passé beaucoup de temps et sans succès à déterminer qui s'est promené dans les bureaux de banque ce jour-là, a ouvert des distributeurs automatiques de billets et a emporté avec eux plus de 6 millions de dollars. Notre colonne n'est pas du tout entrée dans la ville. Nous nous sommes levés à 3 km de la ville. Des hélicoptères sont arrivés pour récupérer les deux centièmes. Les équipages de chats ont brûlé soit à Kvemokviti, soit à Zemonikosi. Un hélicoptère cargo escorté par un hélicoptère de combat. Yamodaev suggère prudemment aux journalistes Vous pouvez revenir avec cette opportunité. Qu'est-ce que tu vas faire après Nous attendons l'ordre de prendre Dassogori. Et si je reste pour l'assaut, alors je peux revenir sur quelque chose. Bien sûr, cher. Il y aura un assaut il y aura de nouveau deux centièmes. Une plaque tournante volera à nouveau derrière eux, d'une manière ou d'une autre, vous reviendrez. Les hélicoptères décollent. Je reste pour regarder comment ils prennent la ville. À peine le bruit des hélices s'est-il calmé que la nouvelle est arrivée que le président russe avait donné l'ordre d'arrêter l'opération militaire. La guerre est finie. Voici. Puisqu'il n'y a pas d'agression, il n'y aura pas de mort. Et, par conséquent, l'hélicoptère. Il semble y avoir un risque de rester coincé ici. Une minute plus tard, ses réflexions cyniques et pragmatiques sont interrompues par l'apparition de l'adjudant du commandant du 693e Régiment, Andrei Kazachanko, est appelé au quartier général. Camarade colonel, ne nous conduisez pas à Tskin Valley. Aucun problème. Tu as 15 minutes pour dire au revoir au gars pendant que je me lave et me change. Il s'est lavé pendant 40 minutes. Puis il a longuement insulté son chef d'état-major, pas pour affaire, mais simplement parce qu'il était assis sur son tabouret pendant qu'il préparait des cartes pour un rapport au siège. Il jura délectation et bruyamment, quoique dans une demi-blague. Imaginer que Yamadaïev parlait ainsi à l'un de ses combattants était totalement impensable. Je me suis immédiatement rappelé les pensées de Snow sur la façon dont l'Est diffère de la partie normale. Je me suis surpris à penser qu'en deux jours j'avais perdu l'habitude de mon armée natale, bien que je m'y soit habitué pendant deux années entières. Mais Kazachanko est une personne sympathique et son régiment est clairement l'un des meilleurs. Le colonel a également inclus un BMP de Vostok dans sa garde de combat. Alors je suis devenu accro à l'armure pour la mienne. Mentalement, j'ai appelé les Yamadaïvites de cette façon. On s'habitue vite aux bonnes choses. Burnt volait vers moi depuis le pot d'échappement. Des gouttelettes d'huile noire se sont déposées sur le visage et les vêtements. Et tout de même, je n'ai pas regretté d'avoir refusé une place dans le quartier général blindé, Oural. Sur le chemin du retour, nous avons traversé les soi-disant enclaves géorgiennes, les villages d'Ossétie du sud peuplés de géorgiens de souche. La population civile est partie d'ici en force. Les villages ont été incendiés par les milices Ossètes. Les Tchétchènes ont regardé cela en secouant la tête avec désapprobation. Contrairement aux Ossètes, ils n'avaient pas de rancune contre les géorgiens. C'est une mauvaise guerre. Envisagez de vous battre avec les vôtres, avec l'ancien soviétique. Nous nous sommes séparés près du quartier général des Casques Bleus à Tskinvli. J'ai sauté de l'armure en mouvement, j'ai agité la main. Salamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Pas de câlin, pas d'échanges téléphoniques, pas de promesses de rendez-vous. Je ne connaissais même pas les noms de la plupart de ces gars. Deux jours flamboyants se sont écoulés, remplis de l'odeur de la poudre à canon, du sang, du sentiment de la proximité de la mort et de la proximité du ⁇ nôtre » qui, au contraire, ne se rendra pas. Le compte de fées militaire s'est terminé au moment où le BMP tchétchène, fumant et secouant ses chenilles sur l'asphalte, s'est envolé vers le carrefour, s'est retourné et a disparu de mes yeux. Je suis allé au quartier général, où j'ai laissé mon sac à dos dans le placard de la cuisine. En quittant Skin Valley, je n'ai rien emporté avec moi, sauf un appareil photo. J'ai trouvé le sac à dos retourné. Il ne manquait rien, mais les choses étaient retournées par terre. Le capitaine expliqua d'un air coupable. Un colonel de Vladikavkaz est arrivé hier. Le soir il s'enivrait comme un cochon, il voulait se rattraper. Je me suis épinglé ici et fouillon dans les sacs à dos des journalistes, je cherchais de l'alcool. J'ai emballé mes affaires, pris une douche froide, mis des sous-vêtements propres et suis allé chercher le colonel en visite. L'adrénaline, qui circulait dans mon sang depuis deux jours, m'a convaincu que le plus approprié serait de casser les dents du gardien de la paix. Je n'ai pas trouvé le colonel au quartier général, heureusement pour lui. Oui, et probablement pour vous aussi. Premier jour après la guerre. Vladikavkaz. Le lendemain matin, j'étais déjà à Vladikavkaz. Il n'y avait pas de billets pour Moscou pour les deux jours suivants. Je suis allé chercher un hôtel. J'ai fait le tour de cinq hôtels et dans chacun j'ai reçu le même type de réponse il n'y a pas de place. Une autre femme à la réception suivante a dit avec sympathie que depuis une situation aussi désespérée, ils peuvent m'allonger sur un lit à très tôt dans l'arrière-salle. Peut-être qu'une pièce sera libre demain. Je me sentais comme un monsieur twisté à Leningrad soviétique. Peut-être que vous pouvez me dire un hôtel Vous savez ce qu'il y a dans votre ville, n'est-ce pas Appelez, tout d'un coup, là où il y a une chambre inoccupée. Essayez Golden Crown. Il y a certainement des sièges vides. En même temps, son visage est devenu distant et désagréable. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec la couronne. Quand nous sommes arrivés, il s'est avéré que ce n'était pas un hôtel, mais un restaurant. J'ai longtemps compris si le chauffeur de taxi avait confondu quelque chose. Peut-être existe-t-il une autre couronne d'or Il m'a assuré qu'il n'y avait qu'une seule couronne dans leur ville. En désespoir de cause, j'ai trouvé le maître d'hôtel. C'est une sorte de malentendu. Je viens de la guerre, d'Ossétie du Sud. Mon avion ne décolle que deux jours plus tard et je ne trouve pas de chambre d'hôtel. Et pour une raison quelconque, j'ai été envoyé vers vous. Un ossette de grande taille en smoking est tatoué au doigt au chat la tête d'un air compréhensif. Nous avons un sauna au restaurant. Et le sauna a des appartements. Certes, ils sont payés à l'heure, ils monteront en une journée comme pour une suite au Hilton. Mais puisque c'est la situation, puisqu'un homme vient de la guerre, nous vous donnerons un numéro à prix réduit. J'ai passé les deux jours suivants dans un bordel. Une chambre immense, un liron de 3 mètres de diamètre, un canapé et deux fauteuils recouverts de cuir rouge vif. Un Osset âgé, qui était là pour la bonne, m'a averti à chaque fois avec la même phrase. Si vous voulez manger, appelez. Nous apporterons du restaurant directement à la chambre. Et si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à appeler. Je n'ai pas trouvé autre chose. La guerre en Ossétie du Sud est terminée, les gens de première ligne ont afflué. Les hommes désiraient vivement ressentir la plénitude de la vie. Avec laquelle ils pouvaient s'amuser tout récemment. Le sauna fonctionnait 24 heures sur 24, les filles travaillaient dans le style Stakhanov et étaient employées en trois équipes. Même à 6 heures du matin, des voitures passaient ici et des rires de femmes s'entendaient depuis le couloir. Tout le monde a fêté la victoire. Les Géorgiens aussi. En écoutant la radio, j'ai appris que Saakashvili avait réussi à convaincre son pays que les chars russes stationnés aux abords de Gori ne sont rien comparés aux dividendes politiques que la Géorgie pourra retirer de cette guerre. Mon vol Vladikavkaz, Moscou était à moitié composé de collègues journalistes. La plupart d'entre eux n'ont même pas atteint Skinvali, mais ont travaillé depuis Vladikavkaz, mais les gars avaient l'air très courageux. Beaucoup ont attaché des casques trophées de l'OTAN en fibre de carbone par balle sur des sacs à dos de brillants. Pour un de ces piments, Discutant sur un téléphone portable, j'ai fait la queue. Salut chérie. Je suis content d'entendre aussi. Non, tout est calme ici. Eh bien, à moins que de temps en temps un tireur d'élite ne tire. Le collègue s'est retourné, a vu mon sourire narquois et la caméra autour de mon cou, a rougi et m'a fait un clin d'œil complice. Comme, vous comprenez, eh bien, comment coller la fille autrement Pendant les deux jours passés à Vladikavkaz, j'ai découvert que les filles collent tout autour, et à grande échelle. Littéralement, chaque personne qu'il a rencontré a raconté comment il s'était battu à Tskin Valley en tant que volontaire dès les premiers jours et que c'était lui qui avait assommé le char même qui était diffusé sur toutes les chaînes. Dans l'avion, je me suis adossé à mon fauteuil, j'ai fermé les yeux, les airs ouverts. J'avais terriblement sommeil, alors que depuis deux jours je dors presque sans arrêt sur un immense liron. Feuilleté somnole un journal distribué gratuitement par une hôtesse de l'air. C'est dedans que j'ai lu pour la première fois l'euphémisme Forcer la Géorgie à la paix. Les photographies du journal étaient toutes sur un thème militaire, je voyais tout cela non pas en noir et blanc, mais en couleur, émouvant, tangible. Quand tout cela pouvait être touché, cela s'appelait une guerre, et quand les chars et les gens perdaient leur couleur, devenaient plats et papyrassés, c'était déjà l'imposition de la paix. J'ai regardé la photo et je suis tombé dans un rêve et je n'ai plus compris où était le journal et où étaient les souvenirs. Les images en noir et blanc ont pris vie et ont commencé à bouger. Qui est-ce qui rampe le long de la clôture Merde, mauvaise impression, vous ne pouvez pas distinguer les visages. Il semble que Baronkevich court vers un grand char terriblement rotatif avec un lance-grenade dans les mains. Bac. Le réservoir est en feu. Les cadavres de géorgiens ne sont pas visibles sur la mauvaise impression en noir et blanc, mais je sais qu'ils sont là, je ne les ai pas vus comme des taches grises, mais comme des brandons anthracites brillants. Le colonel les força à la paix, les persuada. Et qu'est-ce que c'est Certains des Yamadayev ont poussé presque à bout portant une demi-corne dans un observateur géorgien. C'est dommage de ne pas savoir qui. Et le géorgien tomba sur le flanc sous un poirier, contraint à la paix. C'est ça la paix C'est généralement une sorte de merde, vous seul pouvez voir la platine dans les airs, ils l'ont filmé de loin, on dirait que quelqu'un en tombe. On dirait que Thomas est contraint à la paix, ce réserviste. Maintenant, il va voler jusqu'au sol et se réconcilier avec tout. Je suis tombé de plus en plus profondément dans un rêve, soit la photo, soit les souvenirs ont disparu quelque part, il ne restait dans mon esprit qu'une contine enfantine paix, fais la paix, fais la paix. Et ne te bats plus. L'avion a tourné sur la piste et s'est préparé au décollage. J'ai entendu le bourdonnement régulier de ses moteurs. J'ai failli m'endormir et seuls ces mots sont restés cognants dans ma tête. Faire la paix, faire la paix, faire la paix. Et encore. Faire la paix, faire la paix, faire la paix. Merci d'avoir téléchargé le livre dans la bibliothèque électronique gratuite royalib.ru, http://royalib.ru. Laissez un commentaire sur le livre, http royalibru comment gemal piati Tous les livres li de l'auteur http2.oubleslash royalib.eru slash author slash gemal-baran.html